Recherchez une entreprise qualifiée, disponible pour votre déménagement? Vous recherchez un garde-meuble fiable et sécurisé? Vous souhaitez être pris en charge pour tous vos transports par un personnel expérimenté? Faites appel à l'entreprise Lieur. Située à Tarascon, à Pamiers, à Castres et à Savignac, cette entreprise familiale créée en 1955 vous propose ses services. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, les déménagements Lieur répondent à tous vos besoins. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue ce soir avec la 09 TV sur la mythique pelouse du stade de Luzenac, le stade Paul Feydeau. Un stade Paul Feydeau qui accueille ce soir une rencontre en retard de ce championnat de division d'honneur et qui accueillera donc tout à l'heure l'équipe de Blagnac pour un match extrêmement important puisque vous savez que Blagnac est la grande équipe et de cette division d'honneur puisqu'elle est première et qu'elle ne compte aucune défaite avec tout juste un petit match nul. Cette équipe qui est également qualifiée pour les 32e de finale de la Coupe de France où elle affrontera sur ses terres l'équipe de Niort et qu'elle vient d'éliminer une autre équipe de Ligue 2, l'équipe du Restart. Donc avec nous ce soir leur président, Monsieur Grenier. Monsieur Grenier, nous sommes enchantés de vous recevoir. Et nous espérons ce soir un match d'une bonne qualité. Alors vous faites une saison absolument extraordinaire. Oui, tout à fait. La saison est extraordinaire depuis le début de la saison. Avec deux mots d'ordre, l'humilité. Et puis continuer à travailler, voilà, que ça dure. On est invaincu depuis le début de la saison. J'espère que ça va durer encore ce soir. Avec du travail, un staff qui fait un énorme travail. Et puis voilà, ça. La réussite est là, que ça continue, quoi. C'est ça le plus important. Vous avez récupéré quelques bons joueurs à l'intersaison qui ont fait que vous repartez d'un bon pied après une saison difficile. Oui, voilà, une fin de saison, il a fallu faire des choix difficiles. Voilà, ce n'était pas évident au tout départ, reconstruire. On a pris des joueurs d'expérience qui avaient un niveau national. Et puis avec des jeunes joueurs, et le staff a réussi à mettre tout ça en place. Comme on dit, la mayonnaise a bien pris. Et puis voilà, et moi je suis très très fier du parcours des joueurs et du staff et de mon directeur sportif. Parlez-nous un peu de cette Coupe de France qui doit vous tenir quand même à cœur avec certainement une grande fête lors de la prochaine rencontre et le prochain tour, les prochaines 32e de finale. Alors la Coupe de France, parcours, on n'est pas là par hasard. On a quand même éliminé une CFA, un club de National Béziers, une Ligue 2. Bon là, ça va être Niort, je pense que ça va être encore un plus gros morceau. On a une petite chance, on va la jouer à fond. Ça va être une fête du club. On va essayer de faire le maximum pour réaliser les espoirs. Je crois qu'il n'y a pas une région, à Midi-Pyrénées, une équipe qui a DH et a réussi l'espoir de passer à la 16e. Bon écoutez, on va essayer d'être celui-là et en toute humilité encore une fois. Donc vous le souhaite. Mais c'est gentil. Et on vous souhaite ce soir un bon match. Merci. Bien quand même qu'on est un peu chauvin à la 09 TV et qu'on souhaite quand même la victoire du LAP sur ses terres ce soir. Il n'y a pas de souci. Mais on vous souhaite quand même un bon match. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu à notre micro. Merci.
Donc à côté de moi, Christophe Rodriguez. Christophe Rodriguez, c'est une grande fête ce week-end avec hier soir à Foix le match entre le football club de Pamiers et le football club de Foix. Un mot sur cette rencontre et je pense que vous voulez remercier les dirigeants, les entraîneurs des deux clubs. Oui, effectivement, suite au tirage au sort de cette Coupe du Midi opposant le FC Foix au FC Pamiers, j'ai pris les devants, j'ai appelé les présidents respectifs et ainsi que les deux entraîneurs. Donc je voulais remercier les deux clubs pour cette entendue, plus particulièrement Jean-Bernard Poux et Christian Lafitte, les deux présidents, et Greg Gérardin et Fred Massat aussi qui ont accepté de modifier l'heure de la rencontre afin de ne pas se court-circuiter, de se faire une concurrence malsaine. Là au contraire, ça a permis de voir deux belles affiches pour les amateurs de football sur le département. Hier soir, Foix Pamiers et ce soir, Luzonac-Blagnac. Alors on va faire le point sur ce début de championnat, un début de championnat qui était remarquable. Et puis il y a eu cet accro à la vallée du Giroux. Malheureusement, le match remis à Muret, où Luzonac menait 1-0 à la mi-temps, le brouillard a arrêté. Vous êtes dans une situation un petit peu délicate, mais pas catastrophique pour autant. Non, pas du tout catastrophique. Au contraire, on est... dans la situation auquel on doit être. On est troisième de ce championnat, on a un match de retard. Celui que je regrette, c'est le match arrêté effectivement à Muret la semaine dernière pour cause de brouillard. L'accident du Giroud, on savait pertinemment qu'on n'allait pas tout gagner toute la saison, c'est très long. Et puis ce soir c'est, je pense, les deux plus belles équipes de championnat de DH qui s'opposent sur un bon terrain. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion de voir un bon match, en espérant bien sûr une victoire de Luzonac. Mais quoi qu'il arrive, au-delà du résultat ce soir, on fait une très bonne première partie de saison. Et la saison est encore longue, donc ce résultat n'a aucune incidence sur l'avenir de Luzonac dans cette division. Alors ce soir, l'effectif du LAP est complet. Vous avez récupéré le goal, j'ai vu Coste. Il n'y a pas de suspendu, tout est en ordre de marche pour faire une belle rencontre. Oui, effectivement, on a le groupe complet. On a deux joueurs qui n'ont pas été retenus parce qu'ils sont en soin encore, mais on va dire que c'est l'équipe la plus performante, les 14 joueurs qui seront alignés ce soir. Effectivement, Christo, après trois semaines d'arrêt, a décidé de tenir son poste, il est rétabli, donc on devrait encore voir une belle prestation de ces deux équipes ce soir. Ce soir, le monde a quand même répondu présent pour le moment, malgré un froid pas si vif que ça. Les gens sont là, on va peut-être retrouver l'une des bonnes affluences lorsque le LAP était en national. Oui, on ne peut pas comparer non plus, mais effectivement, ce soir, on a bien communiqué autour de ce match, cet événement. C'est vrai que derrière ce match, il y aura une soirée entre les partenaires, les abonnés du club et tous les dirigeants, les joueurs. Donc voilà, c'est une fête du football, c'est le dernier match de l'année 2016. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive ce soir, rien ne sera remis en cause, bien au contraire, on est serein et puis que le meilleur gagne. Merci Christophe et bon match, à tout à l'heure pour l'analyse de cette rencontre en espérant la victoire du Luzonac Ariège-Pyrénées. Voilà, maintenant je vais rejoindre ma place et je vais céder l'antenne à une figure mythique du Luzonac Ariège-Pyrénées, puisque c'est David Gomez qui va ce soir être avec moi comme consultant. Donc je vais lui céder l'antenne et pour qu'il vous donne, le temps que je le rejoigne, la composition des équipes. David, à toi. Alors attends deux secondes, David, deux secondes, tu dois m'entendre. On peut y aller, tu peux dire à Thierry, qui est le speaker officiel du stade, tu peux lui dire qu'il peut... À côté de moi, je pourrais l'interroger, annoncer. Effectivement. C'est le speaker officiel de l'US, du LAP, pas du LAS Luzonac, du LAP. L'un des supporters les plus assidus du LAP, monsieur
Monsieur Thierry Baccara. Titi, un mot ce soir sur cette rencontre. Ben, comme on le sait, c'est un choc. On n'a pas droit vraiment à l'erreur. Si on veut rester dans au crochet de Blagnac, voire même leur passer devant, donc il faut absolument gagner ce soir. Sinon, on risque de les voir s'échapper et nous, il va falloir cravacher dur pour récupérer ces points. Cette défaite au Giroud, évidemment, ces points, on ne voudrait pas qu'ils nous manquent à la fin de la saison. Donc là, ce soir, il n'y a pas d'autre solution. Il faut gagner. Allez, on te laisse donner la composition de l'équipe. David, à toi pour la composition des équipes. Alors attends David, quelques petites secondes, ce que je veux dire, je ne sais pas si à Thème attend, voilà Thierry qui est en train de faire l'annonce officielle, c'est le speaker du stade. Juste vous expliquer aussi qu'à la Genève TV, c'est une équipe, et comme une équipe de foot ou de rugby, il y a des remplaçants. Thierry Carmouze, qui est d'habitude est aux côtés d'Alain, est absent pour cause d'état grippal, et on le salue au passage, on l'embrasse bien fort, on lui dit bien se réparer. Et derrière, je voulais aussi vous dire qu'on a, hier soir, vous avez vu Christophe Perastre qui est aussi là ce soir, et puis d'autre côté, David Gomez, ici, donc on ne le présente de plus, Luzonac, qui nous accompagne. Alors juste un petit mot pour David et Alain Gouzy, ils vont se retrouver ensemble tous les deux côte à côte, ce sont les deux meilleurs buts du stade, mais de l'US Luzonac. Mais attention quand même, parce qu'il semblerait quand même que David Gomez ait plus de 100 buts d'avance. Alors ça, c'est embêtant pour Alain Gouzy, mais hier soir, on nous a dit que il comptait tous les buts, David, même ceux de l'entraînement. Alors on va vous laisser, David, pour la composition de l'équipe. Bon match à vous tous, bien entendu. Merci Patrick, super. Merci pour cette petite anecdote. Hein. Voilà, donc Alain nous rejoint. Donc, bonsoir à tous, merci encore de... à la 09 TV d'être là ce soir pour ce match au sommet Luzonac-Blagnac. Donc je vais donner la composition de Blagnac. Numéro 1, Teider. Numéro 2, Arbaoui. Numéro 3, Zelmat. Numéro 4, Sow. Numéro 5, Silla. Numéro 6, Vivier. Numéro 7, Awala Chaïb. Numéro 8, Sandisteva. Numéro 9, Afkir. Numéro 10, Toto. Numéro 11, Essien. Numéro 12, Afkir. Numéro 13, Fisch. Numéro 14, Pitch. Voilà, pour la composition de Luzonac. Ariège-Pyrénées. Numéro 1, Christopher Coste. Numéro 2, Hassan Karabouali, capitaine. Numéro 3, Simon Lopez. Numéro 4, Elias Lamaf. Numéro 5, Julien Autrebon. Numéro 6, Anthony Cordelier. Numéro 7, Flavien Vigneault. Numéro 8, Maxime Lieu. Numéro 9, Didier Maurice. Numéro 10, Van Tribou. Damien. Numéro 11, Rémi Sestari. Numéro 12, Damien Joucla. Numéro 13, Nicolas Fargue. Et numéro 14, Ndiaye Bouba. Voilà, merci David. Avec plaisir. Heureux de commenter cette rencontre avec toi, une rencontre qui, j'espère, va nous faire vibrer pendant 90 minutes, ouais. En espérant bien sûr la victoire au bout pour les bleus et rouges du Luzonac Ariège Pyrénées. Alors c'est une rencontre extrêmement difficile pour les locaux, puisque cette défaite au Giroud a un peu cassé l'élan des Luzonaciens. Effectivement, ils se retrouvent maintenant à 5 points de cette équipe de Blagnac, une équipe de Blagnac qui compte 9 victoires et un petit match nul, qui a marqué 20 buts depuis le début de la saison et n'en a encaissé que 4. De ce côté-là, les Luzonaciens n'ont rien à envier aux joueurs de Blagnac, puisqu'ils ont quand même réussi 7 victoires, un match nul, et malheureusement cette petite défaite au Giroud, peut-être une défaite imméritée, mais la défaite est là, et on sait très bien que dans la saison, David, on rate certains matchs. Le goal average des Luzonaciens est également impressionnant, puisqu'ils ont réussi la bagatelle de 18 buts et qu'ils n'en ont encaissé que 5, avec une remarquable défense articulée autour de Julien Outrebon, avec son compère de l'axe, Ilès Lamaf. Sur les côtés, Lopez et Karabouali font une très très bonne saison également, David. Oui, bien sûr, je crois que là on a affaire ce soir à vraiment deux grosses cylindrées de la poule de DH. Et je crois que ces deux équipes sont prêtes ce soir, je crois, pour maintenir le cap. Et je crois que, autant sur le plan tactique, technique et même physique, je crois que les deux équipes sont prêtes
pour le combat. Et je crois qu'on va assister, et j'espère qu'on va assister à un bon match de football ce soir à Paul Fédou. Voilà, je l'espère aussi. De l'autre côté, donc, alors les buteurs, on va vous citer les buteurs, puisqu'ils sont là ce soir. Le buteur numéro 1 de Blagnac, c'est l'avant-centre Afkir, qui a inscrit 5 buts. De notre côté, les Lusenaciens sont également bien placés dans ce championnat, puisque avec 4 buts, Rémi Sestari et Damien Ventribou pointent leur nez. Ils sont loin quand même derrière le meilleur buteur de cette division d'honneur, David, puisque le buteur de Golfech, Bull, totalise déjà 9 buts. Un très bon buteur, et c'est quand même une performance dans une équipe qui est classée quatrième quand même, mais qui a marqué 24 buts. Il en a marqué plus d'un tiers des buts de son équipe. Son équipe qui doit certainement s'appuyer sur ce joueur. Oui, c'est clair. Ensuite, avec 3 buts, Ndiaye, le petit ailier lusenacien de poche très rapide, pointe son nez. Il sera également avec le joueur au nom très difficile à prononcer, Aoulad Chaïb de Blagnac, qui a marqué également 3 buts. À 4 buts du côté de Blagnac, nous avons Étienne, l'ailier gauche, ainsi que le numéro 10, Toto. Donc attention à ce trio devant, Toto, Afkir et Aoulad Chaïb. Ça sera bien difficile à contenir. La défense, on la sait, très solide autour de So et Silla, avec un très bon gardien, Taider. Côté de Lusenac, une bonne nouvelle, David, la rentrée de Christopher Costa, après son accident contre Golfech, justement. Il va permettre de rassurer un petit peu sa défense. Et c'est vrai qu'il a serré les dents toute la semaine, il s'est bien soigné, bon, mais il est là présent ce soir. Et à mon avis, il doit être motivé à 200% pour vraiment faire ce match et participer à cette rencontre. Je pense que c'est un élément quand même important pour nous. Parce qu'on a besoin d'un gardien d'expérience ce soir, parce que ça va se jouer au moindre détail. Le petit détail, à mon avis, va être primordial dans cette rencontre. Autant hier soir, du côté de Foix, on pensait qu'on aurait beaucoup de buts, avec 2 attaques prolifiques également, et l'équipe de Pamiers a largement pris le dessus sur l'équipe de Foix. Ce soir, nous avons 2 défenses terribles, les 2 meilleures de la poule avec 4 et 5 buts. Certes, ils ont également les meilleures attaques. Donc, à quoi s'en tenir, on ne le sait pas. C'est clair que je crois que quand même, défensivement, je crois que Blagnac est plus solide, mais je crois qu'on peut gagner ce match, nous, à travers le collectif. Je crois que, d'après ce que j'ai pu voir sur la composition d'équipe, Sébastien Mignotte nous a concocté une équipe avec un renforcement du milieu de terrain, oui, à 5 milieux. Donc je pense qu'il va essayer d'avoir la position du ballon, oui, pour mieux exploiter les attaques. Et je crois que, autant physiquement, je crois Blagnac très bien préparé, très bien. Et nous, je crois que quand même techniquement, à travers le collectif, je crois qu'on peut emporter cette rencontre ce soir. Je pense qu'au milieu de terrain, on peut faire confiance à Coderlier, à Vigneault, à Lieu, et bien aidé par Damien Ventribou, en appui derrière les deux attaquants, Sestari. Mais Sestari et Maurice vont pas certainement jouer côte à côte. Je pense qu'il y en a un qui va se décaler sur un côté, si je vois bien. Ou à part qu'on joue en 3-5-2 avec l'appui de Karabouali et de Lopez. On sait qu'ils savent très bien le faire. C'est le système de jeu qui fonctionne le mieux à Lusenac. Et il semble que maintenant, depuis quelques temps, on s'habitue à ce système de jeu. Oh, je crois que, effectivement, nos attaquants, je crois que sont complémentaires. Autant Sestari que Maurice peuvent utiliser les espaces, autant venir dans les pieds. Je crois que c'est deux joueurs qui sont très adroits, très habiles. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ils vont faire les bons appels pour mettre les buts nécessaires pour gagner ce match ce soir. Voilà, les deux équipes sont sur le terrain. Le protocole va débuter avec les Lusenaciens, normalement, qui devraient œuvrer à droite de votre écran. Et donc, vous voyez, une équipe de Blagnac qui n'est pas impressionnante, David, physiquement. C'est des joueurs de taille très moyenne, mais ça doit courir, ça doit aller vite. Alors attention,
Côté de Luzenac, il me semble que la taille est supérieure. Certes, le numéro 5, Silla, mesure 1m90, mais c'est tout. Alors, oui, Alain, alors tu sais qu'aujourd'hui, donc, il va y avoir une minute de silence. Oui. Concernant un ancien joueur de Luzenac, décédé subitement ce matin d'une longue maladie. Donc voilà, donc il va y avoir une minute de silence pour Michel Cano, notre ami, l'enfant de Luzenac, qui nous a quittés tristement. Voilà. Donc on va se taire et on va respecter cette minute de silence. Hop, les gars. Il va y avoir une minute de silence. Voilà, voilà cette belle minute de silence respectée pour notre ami Michel Cano, Dimic. Oui. Il va nous manquer. Voilà, les trois arbitres vont venir saluer les deux entraîneurs, Sébastien Mignotte et Niflor. Wilfried Niflor, l'ancien très bon gardien. Son frère a joué à Luzenac une demi-saison, je crois. Il n'a pas fini la saison, donc très bon gardien d'ailleurs. Il est en terrain un peu connu. Alors on va faire un coup d'envoi fictif puisque c'est Monseigneur l'évêque de Pamiers qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Voilà, c'est rare pour saluer. Ah, c'est une belle initiative, je trouve. Une belle initiative. On voit que les ecclésiastiques connaissent un peu le football, puisqu'il est venu ce soir sur cette pelouse de Paul Fédou. Une pelouse, David, qui est en excellent état. On est allé un peu la reconnaître tout à l'heure. Elle risque malheureusement de geler. Attention les appuis au bout de 20 minutes, demi-heure, lorsque le froid, qui pour le moment n'est pas très très vif, on n'est quand même pas encore dans des températures en dessous de zéro. On n'a pas connu la neige ici encore, donc l'hiver n'est pas encore arrivé. C'est parti, avec un coup d'envoi, et Julien Outrebon, de suite loin devant pour Sestari, avec une bonne intervention de la défense de Blagnac. La MAF sur le côté là-bas essaie de trouver avec une bonne attaque de Coderlier, et c'est la première faute des Luzenaciens. Les joueurs de Blagnac, on va voir dans quelle mentalité ils vont prendre ce match, s'ils vont envoyer des ballons loin devant et attendre les Luzenaciens, ou s'ils vont faire tourner ce ballon. Eh bien, je pense que c'est la première solution, puisque c'est un grand ballon dégagé par leur gardien Taider, avec une récupération luzenacienne et une faute. L'arbitre, un peu comme hier soir en début de rencontre, eh bien, sifflera certainement pendant une dizaine de minutes toutes les micro-fautes, j'appelle ça micro-fautes, qui en début de match nuisent un peu à la qualité de cette rencontre. Voilà, une bonne balle dans le paquet. Les deux équipes pour le moment s'observent, mais attention, on voit de suite cette équipe très rapide avec quand même une bonne intervention et une faute de l'attaquant sur une bonne progression de la MAF. La MAF qui a bien couvert son ballon et qui n'a pas été mis en danger par l'attaquant de Blagnac. Voilà, Luzenac essaie maintenant de faire circuler le ballon, mais ce terrain est petit. Attention, il ne va pas falloir se tromper. Les Luzenaciens, pour le moment, n'ont pas une position, David, bien extraordinaire. Il va falloir se ressaisir avec Lopez. Là, l'arbitre aurait pu siffler un pied levé, mais il n'a rien été. Julien Outrebon pour
Simon Lopez, pour l'AMAF. L'AMAF qui progresse et qui essaie de trouver 20 tribus, qui se fait subtiliser le ballon. Attention, et petite faute. Alors, faute comme logique. Vous pouvez le pressentir, d'entrée, beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. Oui. Et c'est vrai que bon, je pense que c'est le premier qui va attaquer le ballon, enfin ce soir, qui va être présent dans le duel, va prendre quand même vraiment l'avantage. Hein. Mais on utilise le jeu long pour le moment. Hein. On ne prend pas de risques, on ne veut pas se faire contrer. On sait que le stade de Luzenac ne se prête pas à un système de jeu avec la possession, mais plutôt avec des balles en profondeur et le combat dans les airs en particulier. La MAF qui se montre très offensif. Simon Lopez, qu'on connaît très bien, offensif et qui prend de vitesse son adversaire, et bonne intervention là-bas de Simon Lopez, mais très bonne accélération côté gauche de Simon Lopez. Voilà, lui il est dans son match, donc je crois que c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais Alain en début de rencontre, c'est qu'il peut on peut amener le danger sur les côtés, hein, c'est notamment ça. Avec Simon, hein, qui est très offensif. Bon, on joue à 3 derrière, il peut prendre le couloir gauche. Alors on s'aperçoit que on va effectivement jouer en 3-5-2 puisque Karabouali, étant donné qu'il n'a personne sur son côté, et est allé de l'autre côté sur l'axe central, et que les Luzenaciens perdent le ballon encore par lieu. Attention à la contre-attaque, ouais, avec ses petits gabarits qui vont très vite, mais Simon Lopez est bien revenu, et c'est une faute technique des Blagnacais. Les Luzenaciens vont pouvoir effectuer une touche par toujours Simon Lopez. Le jeu pense à gauche, David. Oui, mais là, écoutez, première 5 minutes de jeu, voilà, tout est vraiment. Voilà, tout le jeu passe vraiment sur le côté gauche là-bas. On a du mal à sortir les ballons. Là, il y a un bon pressing très haut. Avec une balle là-bas pour Sestari. Sestari qui, avec un bon pressing, inquiète la défense. Et on ne prend aucun risque. C'est bien, risque zéro. C'est bien, on joue un peu plus haut là. Je crois que c'est mieux déjà. Voilà. Hein, on joue c'est un peu mieux. Plus haut. Hein. Donc là, je crois qu'on est chez eux. Je crois qu'il faut être... voilà. On a repoussé cette équipe dans leurs 18 mètres. Il va falloir réussir ça le plus longtemps possible et espérer scorer assez rapidement. Oui, bon, le mieux, c'est bien sûr de récupérer les ballons le plus haut possible. Hein, pour attention, pouvoir, une bonne action là pour Sestari. Attention, oh là, oh, l'action. Ouh là 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 là. Le ballon passe. Je pense qu'il y avait une volée à faire lorsque Sestari qui a laissé le ballon à Maurice. Ouais, ouais. Je pense qu'il s'y tire de suite, non pas. Parce qu'il a été gêné. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais bon, il aurait pu. Soit il a été gêné, soit il n'a pas pu enchaîner la frappe. Ah, c'est une belle opportunité pour le Luzenac, c'est dommage. Première grosse opération. C'est dommage. Occasion. Écoutez, c'est pas mal, c'est une bonne entame de match de la part de Luzenac. Avec déjà, on fait reculer l'adversaire avec une balle ici pour Silla. Silla qui cherche et qui trouve son milieu de terrain. Mais on est très prudent du côté de... Hop là. Ah, voilà, une petite avec, faute sur poste. Voilà. Une petite faute, mais oui. Pas extraordinaire. Et on relance avec Hassan Karabouali. Karabouali qui cherche et qui trouve avec une faute, mais que l'arbitre ne siffle pas. Une faute sur... Il y a la volonté quand même, Alain, de relancer de derrière. Hein, Faute ça, sur Vigneault quand même, un bon coup dans les reins. Mais bon, je trouve Luzenac intéressant, on essaie de relancer de derrière, on essaie de ressortir des ballons propres. Je trouve que bon, voilà, on essaie de jouer, je crois que c'est intéressant. Mais après, attention, voilà, de ne pas se faire piéger trop haut dans son camp, parce que on peut donner des occasions toutes faites à Blagnac. Avec une belle récupération de lieu, malheureusement qui perd le ballon. Maurice qui vient défendre. Voilà, tout le monde a l'air concerné par le côté défensif également, puisque là, Maurice est venu donner un bon coup de main à sa défense. Et grâce à son pressing défensif, eh bien, une touche a été concédée par le défenseur Arbaoui du côté de Blagnac, et ce sera une remise en jeu pour Simon Lopez, qu'on voit beaucoup de ce début de rencontre. Longue touche, très très longue touche
de Simon qui malheureusement qui récupère lui-même le ballon avec une balle malheureusement mal contrôlée et récupérée par l'arrière-garde de Blagnac. Le terrain va devenir glissant. On a vu Ventribou en difficulté, mais la balle est récupérée. Balle pour Ventribou, de l'autre côté pour Maurice. Mais très bonne intervention de Silla. Et de suite, on se porte devant avec un long ballon dans la profondeur et une récupération de Maurice qui est venu défendre également, alors que nous avons un blessé, que l'arbitre a arrêté le match sur la blessure de Maurice. Tu as vu, Alain, ce qui était intéressant, là, c'est la phase de jeu un petit peu, un appel à profondeur des Stari, Didier qui est venu demander dans les pieds. J'ai trouvé les appels, ils ont varié un petit peu les appels, j'ai trouvé intéressant. Intéressant, c'est dommage qu'il n'y ait pas un attaquant supplémentaire. À ce moment-là, il y avait un espace, mais bon, c'est bien. Je trouve que Sestari avait fait un bel appel, je pense qu'il aurait mérité d'avoir le ballon, mais bon. Moi, je suis partisan quand l'attaquant central vient sur le côté droit ou sur le côté gauche, qu'on ne lui fasse pas faire un effort pour rien. Cette défense centrale est pas mal, du moins physiquement. Vous voyez, on défend tranquillement et on ne veut pas perdre le ballon dans son camp de suite, alors que là, voilà. Il y a de l'engagement, c'est des fautes normales. On aura des fautes de Lugenac comme on en a eu une là. On a eu tout à l'heure une faute des Blagnacais. Le match est correct et l'engagement est normal pour un match de ce niveau. Je crois que Ventribou a bien défendu. Il a défendu en avançant, il est allé chercher tout le défenseur pour l'empêcher de relancer. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le résultat passera par là. Exactement. Le pressing des attaquants, du milieu de terrain, en avançant. Je crois que Mignotte a insisté avant le match sur ce point-là. Alors que là, on avait une bonne intervention encore de Maurice, mais les deux équipes ont du mal dans la conservation du ballon. On le voit, il n'y a pas beaucoup d'espace pour le moment. Il va falloir attendre une bonne vingtaine de minutes avant qu'on ait des espaces qui se libèrent. Il va falloir attendre que la fatigue se fasse sentir avec là. Encore une bonne défense de la MAF sur l'avant-centre Afkir et une récupération, encore une touche. Bonne balle pour les Lusenaciens là-bas avec une faute sifflée par l'arbitre. Effectivement, j'ai vu un tirage de maillot et c'est un coup franc qui peut être intéressant avec la montée des grands, et autant Karaboali que Outrebon, et ce coup franc qui va être tiré là-bas par Coderlier, si je m'abuse. Alain, que les deux équipes sont arrivées au complet ce soir. Donc oui. Je crois que là, on ne peut pas faire mieux en termes de qualité. C'est ça. Les deux équipes sont au complet. C'est ça. Donc je pense qu'il va y avoir. On espère qu'il va y avoir des buts. Mais bon. Voilà, bonne balle et bonne sortie Tyler qui se saisit en deux temps du ballon. Et de suite, on relance pour l'un de leurs meilleurs buteurs, Aoulat Chaïb. Récupération, et là, c'est, je crois, si j'ai bien vu, un corner. Sur la MAF qui est bien mis de défendre. Bonne intervention, qui a bien coupé. Attention à ces contrées, Alain, parce que vous avez vu là, ballon chez eux, récupération, jeu direct vers l'avant. Attention d'être vigilant défensivement. Et là, alors hier soir, j'ai regretté pour les Fuxéens qui ne défendaient pas. Et là, j'ai vu un manque de défenseurs. On défendait en infériorité numérique. Il va falloir faire attention de ne pas se faire prendre dans le dos. Et il a fallu que la MAF vienne couvrir. Attention, un corner et une reprise, une action assez dangereuse avec une bonne solidarité défensive de tous les joueurs de Lugenac. Qui ne restait qu'en pointe Maurice. Et là, attention, la balle sur le côté pour l'ailier Étienne, l'un des buteurs de cette équipe. Et un corner encore obtenu par l'attaquant de Étienne Blagnac. Alors que c'est le deuxième corner en faveur de cette équipe de Blagnac. Du même côté, il n'avait pas été très bien tiré le premier. Là, tout le monde est attentif. Ouh là là. Et le but. Oh là là là. Et le but sur. On a laissé tout seul l'attaquant de Blagnac, et je pense. Oui. Alors, j'ai pas bien vu qui c'est qui avait marqué. Petit problème de marquage, je crois. Alors, il y avait un gros problème. Et puis, Simon, qui était bien placé sur sa ligne de but, eh bien, n'a pas pu intercepter ce ballon. Et pourtant, c'est un joueur de petite taille. Mais le ballon lui est passé.
entre les jambes. J'ai bien vu, il n'a pas pu intercepter le ballon, ça va trop vite, à 3 ou 4 mètres. Et c'est effectivement le plus petit joueur, Toto, qui vient donc d'ouvrir la marque, le numéro 10. C'est pas une bonne chose en ce début de match, alors qu'il n'y avait pas de danger précis. Une faute de marquage et on voit une équipe en confiance qui a beaucoup de réussite. Simon, pour un bon centre de Simon, avec une bonne intervention encore de Taider, alors que la balle a lobé et le défenseur et Maurice. Allez, récupération pour Outrebon. C'est rare de voir Luznac faire des fautes de marquage aussi graves, parce qu'il était tout seul, vraiment. Et là, vraiment, je crois qu'il n'y avait pas danger, sinon on pouvait être bien en place. Je crois que c'est vraiment dommage. Oui, alors parce que bon, le match se tenait, on n'était pas trop inquiété. Non, 12 minutes de jeu. Comme tu le disais, Alain, une équipe qui est en pleine bourre, qui est en pleine confiance. Qui a de la réussite. Voilà, qui a un peu de réussite et bon voilà, donc du coup ça leur permet de mener 1-0. Mais bon, je crois que le match maintenant est lancé. Hein, et maintenant c'est à Luznac à faire le nécessaire pour revenir au score si possible avant la mi-temps. Alors ça peut être un mal pour un bien. Maintenant il va falloir lâcher les chevaux, il va falloir jouer comme sait le faire le LAP, avec des gens offensifs de bonne qualité. Sestari, Maurice, Ventribou et Lieu peuvent marquer des buts, on le sait à tous les matchs, avec une bonne récupération de Coderlier qui revient derrière pour Hassan Karabali, le capitaine, qui se débarrasse de son adversaire. Malheureusement, il y a une très très grosse compression de joueurs sur ce côté. Voilà, très très bonne initiative de Karabali. On tourne bien le jeu, on tourne bien le jeu. Attention à la MAF de ne pas perdre le ballon. Et toujours cette défense très solide. Encore une récupération Coderlier. Ah, et malheureusement, il n'a pas pu trouver Vigneault. Et la MAF, attention aux prises encore avec... C'est vraiment dommage, Alain. Chaïb, avec les joueurs de tête que nous avons dans Arizona, là, c'est vraiment dommage, parce que nous avons quand même des défenseurs, la MAF, très très bon à la tête. Eh ben oui. Et ce ballon, c'est vraiment dommage. Il était tout seul aux 7 mètres, c'est ça qui est grave. C'est vraiment 2 secondes d'attention de la part de la défense arizonacienne. Dommage de se mettre en difficulté comme ça. Eh oui. Oh là. Avec une bonne intervention cependant de Karabouali sur une touche trouvée avec Ventribou. Ventribou qui est pris et qui donne une longue balle en profondeur. La MAF, attention, récupération toujours pour Coderlier, qu'on voit beaucoup en ce début de récupération de match en récupération. Et Julien Outrebon qui est un peu embêté, qui trouve démarqué son capitaine. Une bonne balle pour Maurice, mais c'est le problème, le terrain n'est pas très très large et la moindre faute de relance technique, c'est une touche et difficilement récupérable par nos deux attaquants que sont Maurice et Sestari. On est revenu au milieu de terrain avec Lieu pour Lopez. Attention, Lopez qui se fait subtiliser de ballon et il s'en faut d'un cheveu. Très bien joué de la part de l'attaquant de Blagnac. Que ce lob de Aoulap Chaïb ne surprenne Christopher Corks, très avancé. Attention à ces balles perdues, alors que l'arbitre a vu que le ballon n'était trop facile, pas... peut-être au niveau de la conservation du ballon. Oui. Il faut être plus vigilant. Je crois qu'on s'en tire bien. Je crois que le 2-0 n'était pas loin. Oui, avec un manque de concentration. Et toujours ce pressing très haut des attaquants de Blagnac qui ne se pose pas de questions. Bonne transversale. Il faut la prendre, Maurice. Physiquement, il souffre avec... Oh là, il s'est bien battu. Je ne suis pas tellement d'accord pour cette faute sifflée contre Maurice. Mais l'arbitre est seul maître et il estime qu'il a pris le pied d'appui du défenseur de Blagnac. Et donc, logiquement, il donne un coup franc qui va être tiré par l'arrière-garde de Blagnac, qui ne se pose pas de questions. Et c'est Sceau de l'autre côté qui cherche un partenaire, qui le trouve. Voilà, bonne initiative de Lopez avec une bonne balle en profondeur. Malheureusement, la défense était en place et a pu récupérer ce ballon et récupérer en deuxième. Alors que là, que dit l'arbitre?
C'est vrai qu'on n'a pas le droit de se baisser, mais il est quand même monté dessus sur le pauvre Simon Lopez. L'arbitre a préféré siffler la faute contre le défenseur lusenacien. À la tombée, Karabouali et Karabouali qui dégage son camp pour mettre le ballon en touche et une touche qui va être effectuée par le défenseur Zelmat pour Blagnac, une équipe de Blagnac qui est à son affaire. Elle est tranquille pour le moment et de suite on n'hésite pas. Et Toto, encore une fois, n'hésitez Toto, pas. Ah oui, prise de risque maximale sur cette frappe de 40 mètres presque. Ah ouais, c'est une équipe qui ne doute de rien. Et il va falloir être très très attentif. Attention, attention. Là, je crois, Alain, oui, qu'effectivement, Lusenac doit remettre le pied sur le ballon un petit peu, essayer un petit peu de, voilà, de poser le ballon, essayer de progresser sereinement. Et là, vous voyez, on perd trop le ballon dans notre camp. Ah, belle attaque d'Hassan, Karabouali. Voilà, allez, Ventribou. Ventribou. Bon centre de Ventribou, deuxième poteau. Ouais, non, il est trop sur le gardien. Et le gardien Taider n'a aucune difficulté à se saisir du ballon. Long dégagement et on trouve directement les attaquants. Le marquage des Lusenaciens laisse à désirer. Ouh là là, avec un grand pont encore. Et un deuxième. Ouh là là, ça frise le poteau sur ce tir de Aoulad Lachaïd qui nous inquiète depuis le début du match. Il est en confiance, il est percutant, il est très rapide, très adroit, pied gauche, pied droit. Un joueur très 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 intéressant, Alain, et qui nous fait bonne figure. Très 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 fort. Et sur chaque prise de balle, là il s'est débarrassé quand même de Julien Ventribou avec une bonne balle, une bonne déviation de Sestari pour Maurice. Maurice qui récupère le ballon côté droit, qui essaie de fixer son attaquant. Un bon centre, malheureusement, il y a beaucoup de monde. Regardez, ils sont 8 derrière et 2 devant. Alors que là. L'arbitre, vous voyez, c'est malheureux, mais l'arbitre protège les attaquants, là, alors que la première faute était indiscutablement par Afkir sur Julien, et Julien a eu peut-être le tort de mettre son coude, et c'est la faute qu'a vue l'arbitre de cette rencontre, avec toujours saut à la manœuvre, avec une longue balle en profondeur. On ne s'embarrasse pas, tant pis, on récupère, mais regarde, sur les deuxièmes ballons, ils sont bien plus efficaces pour le moment que notre équipe lusenacienne. Hein. On n'est pas sur les deuxièmes ballons. Oui, Alain, là, je crois que là, clairement, les meilleures attaques sont du côté de Blagnac. C'est vrai, ils mettent ce but un peu contre le cours du jeu, mais malgré tout, derrière, ils se sont créés deux occasions très très nettes, très très belles de la part du numéro 7 à Aoulad Chaïb, et qui nous fait forte impression. Oui. Et c'est vrai que je crois que Lusenac doit rapidement se reprendre, car là, actuellement, Blagnac a pris l'avantage au niveau du jeu. Et je crois qu'il faut vraiment se rassurer rapidement, déjà être un peu plus à l'impact. Avec rapidement envoyer le ballon devant, mais la défense saute avec une récupération pour Coderlier. Très on revient derrière. Mais très athlétique. Très bon Ventribou là. Les deux défenseurs sont très bons. Avec, allez, une bonne frappe là. Voilà. C'est pas mal. Il faut les faire sortir. Sur cette frappe, peut-être, elle est dans les nuages. La frappe de Vigneault. Mais il va falloir. Qui se méfie, cette équipe de Blagnac, et on va essayer de les faire sortir pour se mettre dans de bonnes conditions, parce que à part l'occasion tout à l'heure de Maurice, si encore si on peut appeler ça une occasion, une petite occasion, mais rien à se mettre sous la dent, et toujours les contres de cette équipe très offensive avec Sestari, mais Sestari est pris physiquement. Tous les contres sont pour Blagnac, et heureusement Coderlier pour mais il ne peut pas servir. Vigneault pour de l'autre côté Lamaf. Lamaf peut-être une balle, bonne balle. La balle était bien donnée. Bel appel de Simon Lopez. C'était bien joué. Voilà, c'est la solution, je crois qu'elle est là. On est dans le vrai là. On peut passer pour les côtés. Il faudra réussir les passes. Hein. Oui, c'est tout sûr. Est là, allez. Celle-là est ratée. Que tu le sais, Alain, c'est primordial. À un moment donné, un peu de justesse technique, ça fait pas de mal ça dans ce sport. Pas de mal. Fait quand une mauvaise action de Maurice qui, malheureusement, ne trouve personne sur cette remise.
de la poitrine. Une récupération encore de Vigneault. Vigneault de l'autre côté pour notre numéro 6, Coderlier, qui revient derrière pour Simon Lopez. Je trouve que Vigneault fait un bon petit match. Hein. Vigneault comme d'habitude, très présent, hein. très présent. Comme d'habitude. Avec dans l'entrejeu de Lucenac, hein, je crois qu'il est très efficace. Regardez. Hein. On le voit très bien, là ils sont trois attaquants et ils viennent presser très haut et nous empêchent de relancer convenablement et de poser le jeu. Il va falloir trouver une solution sur des balles en profondeur, peut-être faire monter un attaquant supplémentaire. Il y a des solutions, allonger le jeu et finalement éviter ce milieu de terrain où on n'est pas... Voilà, bonne action. C'est comme ça qu'on doit faire avec Karabouali. Karabouali pour Sestari, Sestari pour Vigneault, pour Maurice. Dommage les contrôles, un peu d'application technique, hein, c'est important. Hein. Avec Lamaf encore en difficulté et il a reçu heureusement l'aide de Lopez. Et Lopez qui subit la faute de Afkir. Qui va permettre aux rouges et bleus de se dégager. C'est pas gagné encore, ça va être très dur car pour le moment on ne voit pas de solution pour les joueurs, pour les Lusenaciens. On va peut-être essayer de. Peut-être Mignotte va essayer de leur demander de balancer un petit peu plus et mettre comme il le fait actuellement. Les quatre attaquants et essayer de les trouver dans la profondeur. Tu as vu Alain, hein, les quatre défenseurs de Blagnac sont bien en place, hein, hein, très solides, très bien placés. Hein, déjà la rigueur défensive est liée. On la voit, maintenant voilà, ils mènent au score. Je crois qu'ils vont bien sûr. Hein, ils vont attendre. Ils vont attendre cette bonne guerre, ils vont attendre. Et ils vont chercher le contre. Ils vont essayer de nous tuer avec un deuxième but. À nous d'être vraiment vigilants parce que je crois que cette équipe de Blagnac me fait forte impression. Je te l'avais dit Alain avant le match. Très physique, oui. Très bien en place, ah très oui, bien oui, organisé. Et sûr. Nous, je pense qu'on passera grâce au collectif. Et je crois qu'il faut qu'on repose voilà. Le ballon, le pied sur le ballon. Voilà. Allez, et qu'on a essayé de récupérer très haut. Oh, bien joué. Avec Maurice qui va se présenter seul. Hake qui magnifique. Ah, voilà. Belle la bonne première occasion. C'est très intéressant ce qu'a fait Rémi Sestari. Il a décalé intelligemment Maurice. Qui d'un crochet s'est débarrassé de son adversaire au marquage et c'est le dommage, tir Alain, hein. A été contré. Il peut prendre peut-être la volée peut-être en première intention peut-être. Je l'aurais certainement tenté. Moi aussi je crois. Mais bon, c'était pas mal. Allez, bon corner. Tout à l'heure il y a eu un but et elle était récupérée par deux occasions. La balle n'est pas encore sortie. Une balle encore. Oh là là, avec une encore Sestari. En défense, on commence un peu à paniquer du côté. Oula, ça chauffe devant le but de Blagnac, ça chauffe. Pour Vigneault. Oula, avec un bon tir. Oula, et bel arrêt de Tyler. Allez, ça y est, je voilà, crois que le match est lancé. Un bon tir de Lamaf. Et heureusement qu'il est sur la trajectoire. Parce que je pense que la balle allait se loger sous la barre transversale de Tyler. C'est vraiment dommage, voilà. Alain, parce qu'on a un temps fort de côté du jeune ancien. Et c'est dommage de ne pas avoir concrétisé bon toutes ces actions. Oui, bien sûr. C'est bon signe. Allez, on a quand même deux, trois actions nettes en demi de jeu. Il est encore très bien tiré, voilà. Mais la défense, c'est... C'est pas grave, il fallait la avec tenter. La balle n'est pas encore sortie. Il faut la tenter. On remet... Oh là là, il y a un peu le feu dans cette défense oui, Blagnac, de Blagnac. Oui, c'est pas tir. Mal. Ah, malheureusement. C'est pas grave. Cette frappe du gauche, mais je crois que ça y est. La machine est lancée et ce tir de Vigneault, de Lieu, était intéressant. Il tire très bien les coups francs, les corners, Lieu. La défense de Blagnac sur les trois dernières actions a été en difficulté. Voilà le pressing de Lusenacien un tout petit peu plus haut avec une action là-bas pour Lopez. Lopez qui obtient la touche qu'il va faire. Il fait des touches très longues. On a vu la défense en difficulté. Sestari remet, mais malheureusement, il est pris par son défenseur Lopez. Essaie de déborder et réussit à récupérer ce ballon. Ah, on connaît dommage, là, mais bon, il a perdu le ballon, mais on connaît la vaillance et l'efficacité offensive du jeune latéral Lusenacien. C'est dommage de ne pas avoir concrétisé sur ce temps fort là, parce qu'il y avait quand même d'autres enchaînements de passe de jeu devant le but là, intéressante où on aurait pu concrétiser. Oui. C'est dommage parce que c'était le bon moment, 26 minutes de jeu. On n'aura pas beaucoup d'occasions contre Blagnac et ça serait bien de les mettre au fond. Mais bon, je crois que quand même Lusenac ça y est, est revenu dans le match. Hein, je crois que là ça va. Allez, à la tombée, ça devient intéressant.
toujours non, là c'était encore Vigneault, balle en profondeur, Sestari dévie de la tête, mais l'arrière défense, vous voyez, ils vont faire ça tout le match avec une récupération de Karaboali. Malheureusement, le jeune Vigneault ne peut récupérer le ballon et c'est une touche à l'avantage des de Zalmat et des joueurs de Blagnac avec une longue touche. Récupération de ce joueur est très intéressant, Aoulat Chaïb, qui nous embête, qui nous enquiquine. Il est toujours derrière les défenseurs. Il nous met en difficulté et puis techniquement très très fort. Très, ah oui, très là, fort. Il nous surprend là ce soir. Oui. Je ne connaissais pas ce joueur. Mais il est très très présent là ce soir, il est dans son match, il fait son match, il est... Ah, c'est un véritable poison offensivement. Allez, bien voilà. Belle sortie de balle pour Vigneault avec une bonne balle en profondeur pour Sestari, mais bonne couverture. C'est ça, il faut les faire reculer, allez, il faut les faire reculer. Ça va passer, ça va passer. Jouer chez eux. Allez, je crois que Luzenac est revenu dans la partie. Oui, voilà, on est surtout à la récupération. Voilà. Je crois. Ici, une bonne récupération de Cauderlier qui donne là-bas pour Lamaf. Lamaf pour Maurice. Maurice qui se débarrasse. Ah. Que dit l'arbitre? Non, il n'y a pas pénalty, effectivement. Non. Sur le contrôle, il a perdu l'équilibre, Maurice. Ah. Mais c'est intéressant, il avait encore. Oui, c'est pas mal. Réussi. Il provoque, c'est pas mal. C'est pas mal. Il avait encore réussi à se débarrasser de son adversaire. Au marquage, et il s'en est fallu de peu, il a glissé, le terrain existant. Je pense pas qu'il y ait faute quand même. Non, là je crois que l'arbitre a très bien analysé la situation. Mais là je crois que depuis qu'ils ont marqué, je vois que maintenant après deux occasions qu'ils ont eues, on recule un petit peu, ne joue plus trop. Ils attendent vraiment, voilà, t'as vu, ils attendent. Attente, hein. Voilà, Et je crois que le Genac de coup va jouer plus haut. Bon, toujours à faire attention à ces contres, hein, qui vont être assez dangereux. Ils ont une grande bien joué. Sestari qui s'était débarrassé de son adversaire, mais malheureusement, il se fait prendre alors que là, il y a quand même une faute. Voilà, il a vu l'arbitre. Un match très facile à arbitrer, hein. Oui, très, propre, pour l'instant, très propre. Pas d'attentat, pas de. Alors que ça glisse de plus en plus, il va falloir faire attention aux appuis et on sait très bien qu'une faute est vite arrivée. Surtout ce côté de, oui, surtout de terrain, devant les tribunes, là. Toujours à l'ombre, donc forcément très difficile à jouer. Ah, allez Maurice, ah, la balle est toujours derrière, on cherche Aou. Lap Chaïb qui est très très fort. La défense derrière, martial, hein. Sila, Sola, ah ouais. Très très solide. Solide, ah oui, très vraiment, solide. Et Zalmat sur le côté sont très intéressants également. Ces trois attaquants me font très peur avec Toto Etienne et Aoul Lap Chaïb avec une mauvaise relance de Julien Outrebon qui ne s'est pas embarrassé de fioritures. Il vaut mieux peut-être de temps en temps mettre le ballon dans les tribunes et se replacer et reposer le jeu de suite et récupérer le ballon comme on le fait actuellement avec Cauderlieu pour Vigneault et Vigneault de l'autre côté pour Julien Outrebon. Et c'est Lamaf, bonne balle pour Maurice. Qui bien donne un bel ballon pour Rémi Sestari. Ouais, dommage. Ben, joli mouvement, très bon, très joli. Bon mouvement. C'est et bien, si les bien, attaquants lusenaciens sont collectifs comme ils le sont actuellement, l'un demande, l'autre donne, on devrait quand même avoir oui, quelque chose de positif. Oui, je crois que là, ça devient intéressant. On s'est créé deux ou trois situations devant le but, très très bien menées de la part des attaquants ariégeois. On sent qu'ils peuvent passer. Oui, je crois qu'il y a des solutions à avoir, mais voilà, ça passe par le jeu. C'est deux actions attention. Bien construites. Et je crois que là, voilà, le résultat passera par le jeu avant tout. Et je crois que Genac là est revenu dans le match et voilà. Et c'est très intéressant pour la suite. Mais voilà, je suis sûr que Genac va réagir avant la mi-temps. Allez, une balle pour l'excellent lieu. Bien, c'est ça, avec, bien Rémi. De suite pour Cauderlier. Cauderlier de l'autre côté pour encore Vigneault. C'est la Maf qui va. Allez, un bon centre. Au deuxième poteau, Ventribou. Voilà une bonne reprise. Bien joué. Bien voilà joué. Une bonne reprise de Damien Ventribou. C'est ce qu'aurait dû faire tout à l'heure Maurice. Oui, je crois aussi. Il a voulu contrôler et s'amener le ballon. Alors que là, Ventribou, même si c'est un pas dedans. Un centre-tir. Ça peut être divisé, ça peut être dedans. Voilà, c'est très bien. C'était bien ce qu'il a fait. Ah, c'est destin du buteur. Hein. On sent qu'il va mettre en difficulté cette arrière défense qui, quand même, donne quelques signes.
alors que Simon déborde un petit centre. Allez, une récupération toujours pour Vigneault. Vigneault là-bas pour Lieu qui tire encore. Ah, c'est... Non, c'est sorti. C'est sorti, mais c'est intéressant. La bonne balle de Vigneault pour l'excellent Lopez qui, malheureusement, le terrain n'est pas assez long. Et Lugenac prend le match. Tout à fait. Oh là. Avec avec une... Je ne sais pas ce qui lui a marché sur le talon, Aftir, à Ventribou, mais avec le froid, ça fait mal. Oui, oui, tout à fait, de volontaire, mais il lui a fait mal. Allez, Julien Outrebon, pour peut-être porter le ballon. Ça serait intéressant, donc voilà, on fait monter tout le monde, et c'est Christopher Coste qui va essayer de trouver quelqu'un loin devant là-bas, avec au combat... voilà, les bonnes récupérations de Lugenac avec Coderlier. Coderlier, ah, il n'est pas parti, mais la balle n'est pas perdue pour autant, avec un pressing, et on ne s'embarrasse pas, on met en touche, on revient. Donc la balle est sauvée par les Lugenaciens. Mais oui, ils peuvent égaliser avec une bonne balle pour Maurice de la part de Simon, un bon centre. Ah, il arrivera en retard, Ventribou. Ventribou arrive en retard et Zalmat le devance. C'est dommage. Je pense que Ventribou n'a pas senti. S'il le sent, il peut reprendre le ballon. Et je pense que là, s'il le reprend, il fusille Tyler. Mais c'est ça. C'est 3-4 occasions. Remettre Lugenac dans le bon chemin avec encore une occasion. Non, une balle encore pour les Lugenaciens. Mais la défense très regroupée de Blagnac peut se dégager. Et on revient du côté de... Alors que encore une bonne récupération, malheureusement. Il est contré là-bas, Vigneault. Les Lugenaciens récupèrent par Karabouali. Karabouali pour récupération pour Ventribou. Ventribou au milieu pour Coderlier. Coderlier revient derrière pour Lamaf avec une bonne balle en profondeur pour Maurice. Maurice qui se débarrasse de Zalmat, malheureusement. Il est parti en touche et donc la touche va être récupérée par Zalmat. Et les joueurs de Blagnac vont pouvoir se dégager avec une récupération de Ventribou. Ventribou qui va essayer de trouver son partenaire. Effectivement, il y arrive. Ah, mais malheureusement, on est obligé de revenir derrière. Et donc, la balle va être malheureusement récupérée par le milieu de terrain de Blagnac, avec une touche toujours effectuée par Zalmat. Zalmat qui essaie de trouver toujours Aoud Latchaïb, qui nous embête vraiment tout ce match, alors que Zalmat, là, sur le dégagement de Ventribou, met le ballon en touche, une récupération pour les Lugenaciens. Nouvelle balle pour les Blagnacais, et tranquillement, eh bien, Vivien laisse sortir ce ballon en touche avec une récupération pour Zalmat. Allez, bon pressing, et toujours ce pressing avec Sestari. Sestari qui se débat, solide Sestari là. L'arbitre aurait quand même pu le récompenser avec un coup franc, parce qu'il y avait quand même un petit coup franc. Avec la balle pour... oui, il y avait là-bas... Oh là, un petit incident de l'autre côté. Ton micro. Voilà. Allez. Allez. Allez, une bonne récupération là-bas. Alors qu'il y a eu un petit incident, mais pas très méchant. Et l'arbitre va revenir avec un jeu à terre du côté des 30 mètres de Lugenac.
et la balle va être récupérée alors que l'arbitre demande au banc de Lugenac de se calmer. Et la balle est récupérée par Christopher Coste. Coste de l'autre côté pour l'AMAF. L'AMAF qui va qui préfère remonter le ballon, c'est ce qu'il faut faire. Et on trouve dans le dos des défenseurs Rémi Sestaris, si je m'abuse. Récupération. Il ne faut pas perdre le ballon là. Et il ne faut pas le faire, c'est très dangereux. Ouais. Bon retour de Ventribou qui vient aider collectivement son équipe. Ah, mais le pressing est bon avec toujours l'excellent lieu. Coderlier qui. Alors que Maurice est tout seul, là, il est hors jeu. Il est hors jeu. C'est dommage. Les intentions sont bonnes. Mais voilà, la phase de jeu est intéressante. Je crois que là. Dernier lieu là, milieu terrain, je crois que voilà, ils ont bien pris leur marque et c'est vraiment vraiment intéressant. Voilà, le vraiment pressing très haut, aller presser les joueurs de Blagnac très haut, les empêcher de relancer au maximum. Je crois que là vraiment la solution elle est là, vraiment, elle est là. Empêcher de jouer, être un peu plus agressif sur le porteur du ballon, je crois que Mignotte aime ça aussi. Oui. Donc, je crois que voilà, il faut vraiment qu'il voilà comme ça. Bon, là, et là mais bon, c'est pas c'est pas grave. C'est dans le jeu. On s'impose. Il faut pas critiquer. Il y a une faute et ce très très bon numéro 10 Toto. Se relève. Qui a joué à Muret aussi, je crois. Il a joué à Muret aussi. C'est un très très bon joueur, très rabelé, très petit, mais alors très fort techniquement, très embêtant pour les Nutanciens. Alors que Sandy Esteva va donner un long ballon dans la boîte et une bonne récupération. Si on ne pas perdre de Julien Autrebon. Aux 40 mètres, c'est très dangereux. Avec cependant bonne récupération du milieu lusenacien, alors que l'AMAF cherche un partenaire et le trouve à la personne de Vignos, peut-être. Bonne déviation. Bien. Ah, c'est dommage. Bien Maurice, bien dommage. Il est mais bien passé devant. Sestari et Maurice s'entendent très bien. Avec encore une bonne récupération là du milieu lusenacien avec Hassan Karabouali dans la profondeur pour le numéro 7 Vignot. Et donc Vignot malheureusement n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Et Taïder s'en est emparé et peut dégager très loin devant et toujours à Latchaïb qui embête énormément l'arrière garde lusenacienne qui ils sont souvent en difficulté. Pourtant on connaît la valeur de Outrebon et dommage, de Lama. C'est dommage. Et là aussi c'était pas mal. Oui, c'était bien joué à combinaison. Bon, en 1-2, on peut réussir quelque chose de positif avant la mi-temps. La mi-temps quand même qui est dans 6 minutes et il serait bon qu'avant la mi-temps on revienne au score. Un but partout avec encore une occasion sur ces actions Lugenac qui a toujours été dangereux mais là malheureusement Maurice subit le physique de cette équipe de Blagnac et notamment le physique de Silla le numéro 5 alors que l'arbitre demande à monsieur Maurice de se calmer. C'est lui méchant. Qui dirige, je ne sais pas bien, mais il a dû parler. Oui. Il a dû parler et il a raison, monsieur l'arbitre. Il faut que Maurice reste dans son match parce qu'il est très percutant. Il fait son bon match. Avec Sestari. Il faut qu'il reste bien concentré, je crois, et je crois qu'il aura l'occasion d'égaliser. Et d'égaliser. Donc voilà, il faut vraiment rester dans le match, ne pas se déconcentrer sur ces petites choses. Allez, Taïder aux prises avec Ventribou aux prises avec Toto. En récupération de Ventribou qui physiquement là aussi s'est imposé. De l'autre côté, l'AMAF qui monte le ballon. Ils ont compris de ce côté-là comment il fallait faire avec une bonne balle récupérée maintenant par Vignot qui revient derrière, qui trouve Coderlier. Bon match quand même de Coderlier. C'est dommage qu'il va falloir qu'il ait pu reçu le jeu parce que attention, belle combinaison de Toto. Attention et toujours à bout Coderlier bien couvert bien couvert encore bien. Il est venu aider défensivement là il a fait un gros travail hein. Allez la touche après le dégagement de Coderlier et la touche pour Hassan Karabouali, le capitaine, qui montre l'exemple, qui se porte souvent lui aussi devant avec Maurice qui demande le ballon, qui récupère ce ballon. Allez, il faut perforer et donner une bonne balle. Elle est peut-être un peu forte pour Rémi Sestari. Oui, il sauve le ballon. Bien joué Rémi. Ah, c'était bien joué. Ah oui.
Je pense qu'il y avait une solution offerte par Ventribou. Oui. Mais c'est intéressant et on obtient un bon corner. Avait été certainement très à la bon manœuvre appel. Lieu. Très bon appel. Très bon appel. Très bon contrôle du ballon avant la sortie. Et encore une bonne combinaison des deux attaquants. Oui, ils sont complémentaires. Hein. Ouais, j'ai envoyé un petit peu les appels. Je crois qu'il y a matière à faire quelque chose. Allez, je crois que là c'est intéressant. Ils ont marqué ce coup de pied arrêté. Je crois qu'on est capable de le faire aussi. Et on les met en difficulté sur chaque corner. Ils sont très bien tirés. Voilà, il est bien tiré. Oh là, mais ils sont très grands. Et là, ils se sont imposés physiquement. Ventribou à la récupération qui perfore. Voilà, il n'hésite pas à mener le danger dans le camp adverse. Mais là, et corner. Ah non, l'arbitre estime que c'est le Lusenacien qui a mis le ballon en corner. Et c'est depuis 20 minutes, allez, je crois qu'il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Là, je crois que Lusenac domine ce sujet. Là, bon, on a eu 10 minutes, un quart d'heure difficile. Voilà. Où Blagnac a eu l'occasion de marquer. Oui. Mais depuis, quand même, je crois, depuis être Chauvin, tout je crois, fait. Depuis 20 minutes, quand même, on domine les débats. Oui. Et c'est dommage parce qu'on a eu quand même quelques occasions. On a raté le premier quart d'heure. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas le feu. Non. Il n'y avait pas le feu à la maison et on s'est mis un peu en difficulté sur ce coup de pied arrêté. Vraiment contre le cours de jeu alors que les deux équipes étaient en train de se jauger. Allez, encore une bonne action et toujours lieu qui s'impose avec de suite pour la MAF qui perd le ballon, un ballon qui est récupéré par l'arrière-garde. Voilà, le pressing est toujours Coderlier. Alors que là il y a une faute c'est de Santisteva, c'est une faute sur Rémi Sestari effectivement. Qui était quand même secoué. On sent qu'il y a quand même beaucoup de surveillance sur Rémi. Rémi qui a la saison dernière avec l'US Albi marqué beaucoup de buts et il apporte énormément à son nouveau club au LAP du Lusenac Ariège-Pyrénées. Allez, un coup franc toujours tiré par l'excellent lieu depuis le rond central. Alors que la défense avait fait semblant de monter et est reparti. Attention, c'est contre. Attention encore, et ce numéro 7. Vitesse de Aou Batch, Lachaï qui fait une faute. Oui, là, il fait une faute. Bonne couverture d'Hassan Karabouali qui a mis son ancienneté à la disposition du club. Sacrée expérience, ça. Bonne expérience. Et il n'a laissé aucune chance à Aou Batchaïd. Et qui n'a pu récupérer le ballon. Une bonne balle là. Allez. La balle va être sauvée par Sceaux, mais bon pressing. Bon pressing des Lusenaciens et en particulier de Vigno qui obtient une touche. La touche a été donnée au Blagnacais qui se dégage, qui récupère par Toto. Toujours le pressing des Rouges et Bleus. On va presser très haut, c'est intéressant, c'est bien. On va récupérer la touche grâce à ce pressing offensif intéressant. On bloque la relance et c'est très difficile pour les Blagnacais de se dégager. Balle maintenant là-bas, un bon centre de Karabouali un peu au contré. Et donc il a pris de la hauteur avec Ice. Il y a une bonne solidarité dans cette équipe. Attention à Julien qui quand même fait parler sa technique et récupère intelligemment le ballon et démarque de l'autre côté la MAF. Là, Blagnac se pose plus de questions. Ça va de long ballon. Alors on voit deux lignes intéressantes. La balle ne passe pas. On est très bien en couverture avec et puis attention c'est récupération très dangereuse avec l'excellent Étienne. Étienne est un joueur très technique qui va nous poser des problèmes. On va faire beaucoup de fautes sur lui parce qu'il a un jeu où il garde le ballon. Il provoque beaucoup. Et je ne sais pas si tu te rappelles, son oncle Marius avait joué à Tarascon dans les années 90. Et c'est son neveu. Donc Marius Étienne qui avait joué à Tarascon. Ouais. Voilà, donc c'est son petit neveu. Attention à ces coups francs, mais mal tirés. Et récupération. Il ne balle en profondeur. Allez, la balle de Maurice La vitesse. Allez, voyons. Est-ce qu'il va prendre vitesse? Non, malheureusement. Ah, il s'est bien débarrassé de son adversaire, malheureusement. Trop de défenseurs. Et il est pris avec une récupération de Coderlier. Coderlier qui cherche et qui trouve C'est bien joué. Ventribou, mais Ventribou ne peut récupérer le ballon. Encore une bonne phase technique. Et tactiquement, c'est pas mal joué. Je vois sur ce contre là, je pense que le bloc de Lusenac aurait dû monter un peu plus vite, plus haut parce que peut-être. C'est vrai que c'est un long ballon, mais c'est retrouvé tout seul. Je crois qu'on aurait pu récupérer le ballon. Et voilà, c'est la mi-temps ici à Lusenac avec donc
une bonne première mi-temps. On n'a pas vu passer le temps, David. Malheureusement, ce but de la 11e minute marqué par Toto fait très mal aux Ariégeois. On espère que Sébastien Mignotte, à la mi-temps, va trouver les mots, et on n'en doute pas, il va les trouver, les mots, il va trouver la tactique. Je pense qu'il ne faut pas qu'il change grand-chose à ce qu'on a vu dans les 25 dernières minutes, ou depuis la 20e minute, on dominait quand même le match. Je pense, David, que tu ne me contrediras pas. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, si on continue dans cette option, on devrait voir revenir au score nos Lugenassiens. Ils se sont créés quand même 3, 4, 5 grosses occasions, alors qu'il n'y en avait pas eu dans les 20 premières minutes. Alors on va espérer dans cette deuxième mi-temps une meilleure finition. Oui, Alain, tu as complètement raison. Je crois qu'il y a eu dans cette mi-temps deux mi-temps, enfin une pour Blagnac, une pour Lugenac. Oui. Et où le Blagnac a dominé les premières 20-25 minutes, et puis Lugenac a dominé le reste. Oui. Et c'est dommage, ils n'ont pas été récompensés par ce but qui égalisateur, qui nous aurait fait du bien avant la mi-temps. Mais je crois que là, il y a de meilleures intentions de jeu. Je crois que là, concrètement, Blagnac, depuis ce but, a reculé. Ils ont créé quand même une ou deux occasions. Rappelle-toi, le lob et le tir de petit filet de ce numéro 7 qui remue beaucoup à la houle la Chaïb. Et je crois que voilà. Voilà, et bien, c'est donc la mi-temps ici à Paul Fédou. Et donc, un but à zéro pour les Blagnacais qui confortent leur première place. Alors, Franck, une petite pause publicité. Recherchez une entreprise qualifiée, disponible pour votre déménagement? Vous recherchez un garde-meuble fiable et sécurisé? Vous souhaitez être pris en charge pour tous vos transports par un personnel expérimenté? Faites appel à l'entreprise Lieur. Située à Tarascon, à Pamiers, à Castres et à Savignac, cette entreprise familiale créée en 1955 vous propose ses services. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, les déménagements Lieur répondent à tous vos besoins.
Okay. C'est bon. Eh bien, retour à Paul Feydeau, donc après ce petit quart d'heure de mi-temps, et tout le monde s'accorde à dire autour de nous que les Lusenaciens auraient certainement mérité l'égalisation. Malheureusement, nous l'avons vu tout au long de cette première mi-temps, malgré une débauche d'énergie et des attaques incessantes à partir de la 25e minute, eh bien, malheureusement, les Blagnacais ont réussi à conserver leur petit but d'avance, ce but marqué à la 11e minute par Toto. Et donc la deuxième mi-temps, il va falloir que les rouges et bleus se remontent les manches, David, et nous réalisent une deuxième mi-temps de grande qualité pour revenir au score, et nous l'espérons le plus rapidement possible. Mais oui, Alain, je crois que le plan de Blagnac a bien fonctionné. Apparemment, le premier quart d'heure, ils sont toujours en train de presser très haut, d'agresser le porteur du ballon. Et ils ont mené 1-0 rapidement au bout de 15 minutes, entre la 10e et 15e minute. Et ensuite, je crois que Lusenac a dominé, a repris le jeu à son compte. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu... On aurait pu égaliser avant la mi-temps, dommage parce qu'on a eu 2-3 opportunités intéressantes. Mais je crois que la deuxième mi-temps s'annonce fascinante, intéressante, parce que je crois que malgré tout on a les moyens de revenir au score et pourquoi pas s'imposer. Alors il y a un remplacement, c'est le numéro 13, Fisch, qui fait son apparition du côté de Blagnac. On verra qui l'a remplacé, nous n'avons pas vu le joueur qui est sorti du côté de Blagnac. Pourrait que ce soit Vivien, le numéro 6, si je m'abuse, je n'arrive pas à le voir sur cette pelouse. Écoutez, les Zenac, aucun changement. Et non, on a gardé confiance à cette équipe. Ma foi, je ne vois pas l'utilité pour le moment d'apporter quelque chose de nouveau à la composition. Voilà, une longue balle pour Simon Lopez en direction de ses attaquants et de Rémi Sestari. Nouvelle touche pour Simon. On est aux abords de la... Alors qu'une petite balle pour Maurice. Maurice qui revient pour Simon. Simon, mais ouais. Un centre... Oh là, une grosse hésitation de Taider. Et c'est dommage que Sestari n'y croit pas. Oui, parce qu'il y avait quand même une faute assez grossière du gardien visiteur avec une récupération. Voilà, on presse assez haut du côté de Lusenac et on a failli récupérer ce ballon. Malheureusement, il est dans les pieds de Afkir. Afkir reprise avec Simon Lopez qui prend le dessus sur l'attaquant visiteur. Longue balle encore pour Maurice, mais il est aux prises avec Silla et Silla met sa tête et c'est une touche aux abords des 30 mètres de la cage défendue par Christopher Coste. Balle récupérée encore par les Blagnac et mauvaise relance avec une balle là-bas, une bonne passe, mais l'arrière défense est toujours bien placée. C'est un hors-jeu. Alors que aucun Lusenacien n'ayant touché le ballon, je ne voyais pas l'utilité pour l'arbitre de touche signaler un hors-jeu quand on sait qu'il faut que l'attaquant pour être hors-jeu touche le ballon. Mais l'arbitre a certainement oublié ce règlement et long déglacement de Taider avec à la tombée toujours ce Toto qui embête tout le monde et qui récupère le ballon à la barbe avec angle fermé Essien qui vraiment bon, mais attention quand même parce que c'est un joueur intéressant techniquement. Il est capable de faire la différence à lui tout seul. Il n'a pas un gros abattage physique, mais dès qu'il a le ballon, il fait des choses intéressantes, il provoque. Et attention à ce joueur. Avec Christopher Coste pour un long dégagement à la tombée. C'était Lieu, balle pour Coderlieu. Coderlieu pour Lieu. Lieu ne peut récupérer le ballon. La balle est récupérée encore par Santisteva qui lance le numéro 7. Il y avait une double faute. Attention, faute peut-être du local, mais faute également de l'attaquant Blagnac avec une balle en profondeur pour Maurice, mais qui. En vitesse, il va passer. Il va réussir à arriver, mais l'abattage énorme de ce Silla qui couvre remarquablement l'appel de balle de l'attaquant lusenacien. Un centre, un bon centre avec une récupération encore
Il va but, oh, purée, oh, poteau, oh, sur ce remarque. Oh là là, ah, ce ciseau de Sestari de Rémi. L'action du match, oh, avec là, ce là, ciseau là, retourné de Sestari sur le poteau, alors que Tyler était il était complètement battu. Oh là là, c'est dommage. Sans réaction. C'est dommage. Hein. Voilà, ça peut donner des idées. Ah, c'est dommage, oh, qui sur là, cette là, première dommage, action, Alain. Après tout juste deux c'est minutes dommage, de hein. jeu. 3 minutes de jeu, et bien les Lugenaciens ratent l'occasion de revenir sur cette, sur ce magnifique ciseau retourné de Rémi Sestari. Un geste de buteur, Alain, ah, un geste ouais, de buteur. Très, très, très bien. Il n'avait pas le temps de se retourner, donc c'était le geste qu'il fallait faire. Et il manque des réussites, il prend ce poteau. En plus, il y avait Didier qui n'était pas loin, le ballon ne revient pas dessus. C'est dommage, c'est dommage. La malchance accable un peu les Lugenaciens. Oui, là, c'est dommage parce que je crois qu'on méritait. Ah, ça mérite. Allez, une longue balle encore en profondeur. Pour oui, une bonne déviation avec une balle. Oulala, attention. Mais c'est Starry qui récupère. Oh là 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 là. Pénalty. Pénalty. Main du défenseur. Pénalty. Alors, est-ce qu'il y a un rouge, hein? Est-ce qu'il y a un carton? Le pénalty a été sifflé par. Non, il n'y a plus la double peine. Non, il n'y a plus la double peine. Alors que l'arbitre va quand même demander s'il doit mettre le carton rouge, car il peut y avoir double peine si le ballon pénètre dans la cage. Je crois que l'arbitre, hein. Pénalty et carton rouge ou simplement pénalty. Les joueurs de Blagnac sont très inquiets, mais belle action encore des Lugenaciens. Et belle action de Maurice. Que va dire l'arbitre, ah, j'ai l'impression que c'est un carton rouge. Effectivement. Bien sûr, sûrement. Et oui, carton sûr. Rouge. Sûr, donc Alain, le ballon rentré. Mais oui, Alain, le ballon rentré, il a été éliminé de la main. On l'a bien vu. C'est annulation d'une occasion de but imparable. Donc, carton rouge. Alors, le carton rouge, qui c'est qui l'a pris il arrive. Et je ne sais pas si ce n'est pas le. Peut-être. Non, je crois qu'il est sorti, Vivien. Alors, on va voir quand il va se retourner. C'est pas Arbaoui. C'est un carton rouge. Ça peut être un défenseur. Alors, il se peut que ce soit Arbaoui, le latéral, effectivement. Et donc, pénalty. Un pénalty qui va être. Que va tenter de transformer Maurice. Allez, on va retenir notre souffle, mais vraiment logiquement, les Lugenaciens méritaient d'égaliser. Et c'est effectivement Arbaoui, le numéro 2, qui est expulsé avec donc, ce pénalty, qui va tenter de transformer Maurice. Alors tout le monde retient son souffle ici dans la tribune de Paul Feydeau. Voilà, l'arbitre siffle. Allez Didier. Et ouais. Imparablement, voilà. Et bien, c'est mérité, logiquement, c'est à la 52e minute, pénalty de Maurice. Eh bien, il faut bien le reconnaître. Les Lugenaciens, David, méritent cette égalisation. Oui, complètement. Le tir sur le poteau et toutes les actions de la première mi-temps. Complètement, Alain. Je crois que là, on a vu une belle action hein, où vraiment Maurice élimine le gardien, le défenseur, oui. Dernier défenseur, oui. Sort ce ballon qui était cadré de et la oui. main, et dont oui. L'arbitre n'a aucune solution. C'est vraiment la seule solution qu'il a. C'est le carton rouge direct et, oui. Et puis pénalty. Donc, certes, double sanction, mais je crois que là, c'est logique. C'est logique, c'est allez, mérité. On va voir maintenant comment. Oula, alors que la balle est récupérée là. Maintenant par Vigneault. Oh, oula. Alors maintenant, Alain, je ne sais pas comment Blagnac va réagir parce que je crois que c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation. Ah, c'est la première fois depuis le début de la saison. Et qu'ils se font remonter au score jusque-là. Voilà. Non, ils avaient été repris par Hoche lors de leur match nul. Et à 10. Chez eux. Et à 10. Allez, on va voir vraiment la réaction de Blagnac. Lugenac avec la balle là-bas qui arrive dans les mains de Tyler. Mais voilà, alors que je vois Sébastien Mignotte qui demande à ces joueurs de se calmer et de reprendre comme il se doit le fil du match. Il va pas falloir s'affoler, non, David. Non. Il va falloir jouer tranquillement et surtout ne plus. Allez, ils ne sont plus là. Non, ils ne sont pas. Le gardien reste directement en touche. Ne plus s'exposer au contre de ces trois attaquants. Le problème, c'est qu'ils vont n'être que deux car ils sont obligés quand même de couvrir la perte de Arbaoui. Et donc, il va certainement y avoir la sortie d'un défenseur. Alors, la rentrée d'un attaquant. La sortie d'un attaquant et la rentrée. Voilà, Lugenac récupère. Avec
lieu, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Je ne sais pas comment Niflor va réorganiser son équipe par rapport à ça. Je ne sais pas. Mais je crois que là, vraiment, on va avoir maintenant une équipe qui va jouer à 10. Et on va voir comment Silujunac va réagir. On va voir les changements que Mignotte peut opérer. Et je crois que là, c'est vraiment. Le match devient intéressant pour Junac parce qu'on a vraiment maintenant l'occasion de gagner ce match. Et on a l'occasion depuis le début. Il faut quand même. Oui, mais là, à 10 contre 11. À 10 contre 11, c'est très intéressant avec Caraboli qui récupère le ballon. Coderlier pour Simon Lopez. Lopez qui essaie de trouver un partenaire, n'y parvient pas. Attention, ces joueurs de Blagnac, même en infériorité numérique, se montrent menaçants. Vous le voyez là-bas, c'est passe redoublée, c'est 1-2. Il va falloir quand même continuer à se méfier alors qu'on revient derrière du côté de Luzenac avec une relance pour la MAF. Regardez le marquage maintenant, le pressing offensif est moins dans le camp de Luzenac. Je pense que les Coderlier, la MAF et Julien Outrebon vont pouvoir relancer plus sereinement. Récupération de Caraboli pour Coderlier avec une récupération maintenant de lieu qui peut-être aurait dû il changer le ballon. Récupération encore de lieu qu'on voit beaucoup en ce début de deuxième mi-temps. Attention, j'ai toujours très peur quand je vois partir Aftir ou Lab Chaïb dans le dos des défenseurs. Il va falloir rester quand même vigilant. Attention à Étienne et Mela, faute du nouvel entrant. Fisch qui techniquement n'a pas réussi sa passe et c'est une touche avec une relance de l'autre côté pour Hassan Caraboli après un passage de Julien Outrebon, un centre de Lopez contre de Rémi. Une bonne action Sestari. De Rémi Sestari. Ouais. Alors, ce n'était pas Lopez là-bas qui avait centré, mais 20 tribus. Il y a panique à bord. Allez, il y a panique à bord. Blagnac a du mal à sortir ses ballons. Exactement. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette équipe de Blagnac ne s'est jamais retrouvée dans une telle configuration. Comment vont-ils réagir? On va le voir. Avec la balle ici pour une bonne récupération simplement des Blagnacais qui ne laissent en pointe que ce numéro 7 Aou Lap Chaïd qui m'inquiète. Je vous avoue qu'il me fait très peur ce joueur avec un bon pressing là de 20 tribus. Et voilà, on va lancer des grandes balles en profondeur. Est-ce que c'est la solution? Mais ont-ils d'autres solutions? Car il faut bien remarquer que le milieu de terrain avec Lieu, Vigneault et Coderlier font un match de grande qualité, bien aidé par Ventribou qui n'hésite pas à décrocher et venir. Et puis surtout, le duo d'attaquants entre Maurice et Sestari qui donne des solutions souvent à leur milieu de terrain et qui leur apporte vraiment le confort voulu. Voilà, on fait tourner maintenant du côté de Luzenac. On retrouve le Luzenac dominateur qu'on a connu. Attention, le hors-jeu pour Maurice. La balle va être récupérée là-bas. Et oui, récupérée par... mais l'arbitre siffle. Bon, c'est le coup franc de Maurice. Petite faute, hein. Pas grave. Bon, c'est normal. C'est pas grave. Mais je crois que, voilà, je sais pas, j'ai pas vu encore les changements tactiques opérés par les deux entraîneurs. Non. On reste, voilà, du côté Blagnac avec une seule pointe. Oui. On voit Toto et Étienne qui reviennent derrière. Oui, un peu plus bas sur les côtés, mais bon... je crois que je vois Rémi Sestari qui prend tous les ballons offensifs, qui arrive à les garder. Et pourtant, So et Silla sont très intéressants défensivement. Là, ils sont obligés de faire faute sur Sestari. Et c'est un coup franc, encore une fois, intéressant. On va voir monter encore l'arrière-garde lusenacienne avec les Outrebon et la MAF, voire Caraboli. Ils sont couverts. Non, la MAF ne monte pas. Et c'est le coup franc va être tiré par Coderlier. Les 20 joueurs sont dans le camp de Blagnac. Coderlier, attention, l'action peut être intéressante avec... il est bien tiré coup franc, mais bien défendu. Récupération pour Luzenac par Julien Outrebon. Et petite faute, mais on est physiquement au point du côté de Blagnac avec ce numéro 5 Silla qui en impose. Silla c'est du solide. Ils ne sont pas leaders pour rien. Ils font pas un parcours en Coupe de France pour rien non plus. Tout à fait. Donc ils ont quand même des certitudes.
Mais je vois Luzenac entreprenant, dominateur. Et je crois qu'on est dans le match. Oui. Et ce serait vraiment dommage de ne pas repartir avec quelque chose d'intéressant ce soir parce que. C'est sûr. Là, il y a matière. Là, je crois que là, Lagnac est en situation de crise à 10 contre 11. Ah. Il faut vraiment. Tout faire ce soir pour l'emporter parce que des occasions comme ça on n'aura pas beaucoup avec Sestari qui récupère non, qui se fait subtiliser le ballon et par Toto et par Afot. Aïe aïe aïe, le carton jaune pour Rémi Sestari, coupable là d'une faute. Il aurait pu s'en passer, ce n'était pas dangereux, c'était aux 50 mètres, la défense était replacée, mais bon, vous savez ce que c'est dans un match, il y a des moments où on n'arrive pas à contrôler ces sensations et c'est une faute logique et un carton jaune tout à fait logique que distribue le référé à l'encontre de l'attaquant lusinacien qu'on voit effectivement beaucoup. Allez, on va relancer par des longs ballons, non, si. C'est une longue balle. Non, on préfère passer sur le côté par Zelmat. Zelmat qui trouve le numéro 11, Essien. Essien qui se fait prendre. Et c'est une touche, cependant, pour les visiteurs. Les visiteurs qui respirent un tout petit peu. Là, et depuis le début de cette deuxième mi-temps, ils n'avaient pas eu l'occasion. Et là, ils savent un peu mieux. Karabouali. Karabouali qui essaie de dégager son camp. Il y parvient. Difficilement, mais récupération, ça y est, toujours au Coderlier. Attention, ces balles dans le centre, mais mauvaise passe, heureusement, de Afkir et une balle pour Sestari. Ouais, c'est malheureusement, qui est pris par Silla et il concède la touche. Alors, le contre. Niflor va faire un changement. Et c'est le numéro 12, Afkir. Afkir numéro 9 qui sort. Et c'est Afkir qui rentre. C'est Afki qui rentre. Voilà. On enlève le R. Alors, je trouve intéressant, Niflor garde quand même ses solutions offensives avec Toto, avec Ouallad Chaïb, avec Essien. Je crois que quand même, il a envie de gagner ce match aussi. Il n'est pas venu pour. Non, parce qu'il il a pas peur d'en prendre d'autres. Il veut gagner le match. Donc, il laisse quand même un potentiel offensif assez intéressant sur le terrain. Et donc, je pense que le match est loin d'être fini. Oula, avec une légère faute sur Lieu qui fait un match très propre. Une perte de balle minimale, de très très bonnes actions. Il voit très très bien le jeu, très clair dans ses interventions, très très bien. Je pense que oui, que Sébastien Mignotte a bien équilibré son milieu de terrain. Oui. Allez, un remplacement et c'est justement la sortie de Lieu et la rentrée de Joukla. Damien qui va apporter sa vivacité. Ah, ouais. L'enfant de Savignac. L'enfant de Savignac. L'enfant des Vallées d'Axe. Et c'est important pour nous. C'est vrai que quand ça fait plaisir. Un jeune du coin, c'est vrai qu'il joue en équipe première, c'est quand même très très bien. Et ça fait plaisir au directeur de l'école de football. Oui, aussi, à tout le monde. Allez, un centre qui est raté avec une récupération justement de Joukla. Non, Joukla s'est battu. Attention. Belle accélération quand même de Maurice. Maurice qui est très vif, qui est très rapide. Et bonne intervention également de Taider. Avec là-bas une touche, une longue balle, pardon, pour Afki, qui devait toucher son premier ballon, mais ce n'est pas le cas encore. Une balle, le long, bon ballon pour Damien. Rémi Sestari. Rémi Sestari qui a poussé trop son ballon, il était peut-être trop sûr, mais c'était intéressant ce que voulait faire Sestari. Récupération. Rémi doit s'en tirer davantage. Ouais. Auderlier avec une bonne balle de Métribou. Avec un but extraordinaire de Damien Métribou. Une frappe de 30 mètres du numéro 10 de Lusenac, Damien Ventribou. Bravo Damien. Un but absolument magnifique. Il a surpris Taider. Oh, quel but. Quel but. Extraordinaire. Quelle frappe sans hésiter. 25-30 mètres. 30 mètres. Ah, que c'est magnifique. 25-30 mètres. Ah, le beau but. Pied droit, plein et lucarne. Le gardien ne peut rien faire. Allez, ne peut rien faire. Un coup de fusil. Ah, mais c'est mérité. Cette entame de deuxième mi-temps est méritée. Hein. D'ailleurs, on les a refait reculer. Et forcément, d'où vient le pénalty, le carton rouge. Et je crois que là, Lusenac, Alain, on l'avait vu, on l'avait senti. Ah, oui. Cette équipe Lusenac est dominatrice. Ah, oui, oui. Après la pause.
Et je crois que là, on va assister à une fin de match exceptionnelle. Exceptionnelle, je pense. Et surtout, surtout David, ce qu'il faut remarquer, c'est la première fois de la saison que cette défense de Blagnac concède deux buts, ce qui est remarquable pour les attaquants lusonaciens, ces attaquants qui depuis le début du match nous font vraiment plaisir. On récupère encore 20 tribous pour Rémi Sestari. Malheureusement, Maurice n'avait pas compris et n'a pas récupéré, n'a pas compris, alors qu'il y avait quand même une faute sur Vigneault que l'arbitre n'a pas signalé. Il a laissé l'avantage et il n'est pas revenu sur cette faute. Allez, les Blagnacais vont être maintenant obligés de se découvrir. Comment vont-ils s'y prendre avec une récupération sur cette longue balle en profondeur de Silla et une récupération de Christopher Coste, qu'il faut bien le remarquer, depuis le début de cette seconde demi-temps, eh bien, n'a pratiquement rien à faire. Il y a eu ces deux ou trois occasions de but en début de match pour les Blagnacais et depuis, il passe une bonne soirée, il n'a pratiquement eu à intervenir sur aucune action de Blagnac. Longue balle, encore Sestari là-bas, malheureusement la balle est... Non, c'était pas Sestari, c'est Vigneault. C'était encore Vigneault. Vigneault, c'est bien, il prend le ballon à la tête, il dévie, ça fait rien, c'est un ballon gagné pour les Lusonnards, c'est quand même important de gagner ces duels offensifs. Et ce que je remarque, c'est que je pense que Sébastien Mignotte a demandé à Vigneault de jouer légèrement plus haut, puisque finalement il n'y a qu'un seul attaquant, voire Bouchaïd, avec une bonne balle de la MAF pour Sestari et une sortie de Tyler qui vient soulager sa défense centrale. Les joueurs de Blagnac sont sur le fil du rasoir. Il faudrait peut-être aller un petit coup de collier de plus et peut-être se mettre à l'abri, alors que nouveau changement à Lusenac avec la sortie de Maurice et puis la rentrée de l'excellent Ndiaye qui depuis le début de la saison a réussi 3 buts et des buts très importants. C'est lui qui avait donné la victoire pour le LAP à Hoche. Il avait donné la victoire à Hoche. Allez, très bon match de Maurice. Très bon match de Maurice. Et je pense qu'il va apporter sa fraîcheur et qu'il doit pouvoir apporter quelque chose de plus et peut-être faire la différence pour les joueurs de Lusenac. Allez, Ndia est un joueur de rupture, ce qu'on peut dire. C'est un joueur qui est capable de faire la différence tout seul, balle au pied. La MAF. Et je pense que à 11 contre 10, il va pouvoir avoir des espaces et il va pouvoir faire la différence. C'est certain que c'est un joueur, en début de match, il y a beaucoup de problèmes ici, puisque le marquage est renforcé, il lui faut quand même beaucoup de place. Attention toujours, là c'est le numéro 12, le rentrant Afki, qui était aux prises avec la MAF, et la MAF a eu le dernier mot. Longue balle encore de Simon Lopez, malheureusement la balle est très très longue et va sortir en sortie de but, une sortie de but qui va être jouée par l'excellent Tyler qui n'a absolument plus rien. En plus, il était légèrement avancé. Il ne s'attendait pas à ce tir d'une violence inouïe de Damien Ventribou et dont ce gardien n'a rien pu faire alors qu'il fait un très bon match. Encore Coderlier et voilà Ndiaye où il va être utile. Il va provoquer son défenseur et il cherche avec balle pour un bon talonnage pour Simon Lopez. C'était bien joué. Un bon pressing pour récupérer ou du moins pour empêcher une relance rapide, mais malheureusement il y avait un hors-jeu de Sestari et Tyler peut remettre. Je suis content pour Damien Ventribou, ça va lui donner confiance pour la suite du championnat, car c'est un joueur très talentueux techniquement et voilà, et ça va lui faire du bien au moral. Parce que vraiment, il met un but de grande classe. Et c'est son cinquième but pour Ventribou et qui rejoint à la deuxième place le Blagnacais Afkir. C'est quand même quelqu'un qui marque des buts. On pense qu'il ne fait pas une bonne saison, mais quand même, il y a déjà à 5 buts avec Rémi Sestari, qui a pris une bouffe et qui a pris une petite gifle. Là. L'arbitre aurait pu... Au moins arrêtez-le, voilà. Non, bon, c'est dommage. Bon, allez, c'est on repart rapidement du côté de Blagnac par Santisteva de l'autre côté pour
Saut qui mais là, le pressing du Genassien est devenu très intéressant et Santisteva est obligé de revenir derrière. Bien pour, le pressing de Sila Saut de l'autre côté pour Essien, attention, ne pas le laisser monter, mais effectivement maintenant c'est de plus en plus dur pour les Blagnacais de trouver leurs attaquants avec une bonne montée de Damien Joukla. Malheureusement il y a hors-jeu. Il faut attendre. Ils ont le temps de demander le ballon. S'ils attendent, il faut prendre un mètre de ils sont très rapides. S'ils attendent, ils partent trop vite. C'est important de bien négocier ces ballons. Hein. On ne va pas en avoir 50 dans le match. Non. On va en avoir, c'est certain. Mais il va falloir. Attention à Abou Chaïb qui se montre vraiment très dangereux. Il provoque, il pénètre. Il nous fait mal ce soir. C'est l'homme du match côté Blagnac pour l'instant. C'est vraiment un très très beau joueur, alors que Damien Ventribou Claudic là dans sa surface de réparation. Attention, ce coup franc, un coup franc qui va être tiré par Essien. Essien qu'on n'a pas trop vu depuis la reprise, mais qui est capable de faire un exploit individuel. Ce coup franc, il est très très dangereux. Christopher Coste devra faire très attention. Alors moi je serai pour qu'il prenne un mètre d'écart pour que Essien il mette le ballon au ras de son poteau gauche. Essien, ou alors il va centrer. Non, je pense que ça va être un centre. Et c'est un centre. Oh là 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 là, mais hors-jeu. Hors-jeu. Il y a effectivement hors-jeu. Donc aucun danger pour la guerrière défense de Luzenac. J'étais très inquiet parce que le coup franc aurait pu être tiré directement à cette distance avec ses ballons. Ça peut être très très dangereux. Je crois qu'Alain, au niveau du jeu, je pense que là pour l'instant on risque pas grand chose. Il faut faire attention à tous ces coups de pied arrêtés, soit coup franc, soit corner. Parce que là, c'est là où on peut prendre le but, parce qu'ils sont très athlétiques, très grands, défensivement, et ils montent surtout les coups de pied. Il faut faire attention. Alors que là, on a sorti de... Alors, la sortie de Ventribou, le buteur, le héros de la soirée pour le moment, et la rentrée de l'ancien Nicolas Fargue, qui va apporter certainement son placement au milieu de terrain. On connaît la classe de ce joueur, Nicolas Fargue, qui est quand même maintenant l'un des grands anciens de Luzenac. Il y a longtemps qu'il œuvre pour les couleurs rouges et bleu, et on l'aime bien au tariage. Nico, il fait partie de la maison, et donc on peut noter cette touche un petit peu défensive de Sébastien Mignot. Hein. Je pense qu'il doit assurer le coup là. Oui, parce que je crois qu'il a sorti Ventribou Damien qui est très offensif, en mettant Nicolas Favre qui est quand même un milieu de terrain défensif. Voilà. Donc je pense que Sébastien veut quand même mettre un équilibre défensif rigoureux sur ce milieu de terrain. Exact. Et en ayant quelques occasions, mais voilà. Alors là, on a vu que l'arbitre fait une très bonne prestation lui aussi, parce que les fautes étaient vicieuses et il l'a très très bien vu. Coderlier pour Lamaf. Oui, l'arbitre fait un très bon match. Pour Nicolas Favre, attention, il n'est pas encore au chaud, il faut faire attention quand on rentre avec Lamaf. C'est dangereux, attention, avec Timon. Là, ça veut chauffer dur avec toujours Coderlier. Joli duel, oui, voilà. Coderlier fait vraiment. Il n'a pas de poumon. C'est exceptionnel ce que fait Coderlier, avec une balle dans la profondeur pour Ndiaye qui est pris et qui concède une touche qui va être jouée par l'arrière défense de l'équipe de Blagnac, alors qu'effectivement je suis en train de regarder comment se repositionnent les joueurs de Blagnac sur le côté droit là. Qui c'est qui va faire la remise? C'est fait. La remise est faite avec une balle. Attention, une balle pour Rémi Sestari, peut-être pour Ndiaye. Attention, Rémi, il ne faut pas faire ça. Attention, Rémi. Il a déjà un carton jaune, ouais. C'est pas la peine d'aller. Il y avait certainement une faute sur lui auparavant, mais c'est pas la peine d'aller se faire justice. Oui. L'arbitre n'hésitera pas, étant donné qu'il a mis un carton rouge à Blagnac, il n'hésitera pas. Attention. Je crois qu'il y a une faute inutile. Attention, Rémi, parce que il faut finir le match à 11. Là, je crois pour nous, on mène. Ce serait ridicule de prendre un carton rouge. Exactement. À 10 contre 11, en menant 2-1. Longue balle. Lamaf à la
tombée qui est pris, mais long dégagement de, ou du moins chandelle de Julien Outremont Ndiaye. Avec Ndiaye. Allez, voilà, voilà où il est bon. Allez, ah, ah, si Rémi peut récupérer ce il ballon. Il peut la dévier de suite en première intention oui, dans la profondeur. Allez, il ne doit pas essayer de la contrôler. Lopez. Oh, c'est difficile, ça va vite. Ça va aller très vite. Ah, il faut. Ouais. Faute sur le numéro 12, Afki. Attention, le coup franc va être tiré toujours par les défenseurs. Non, là, c'est Essien qui se charge de tous les coups francs. C'est sur ses actions de jeu, sur ses faits de match que les Blagnacais peuvent revenir. Il va falloir être très attentif avant qu'on ne va pas tarder à rentrer dans le dernier quart d'heure. 73e minute ici à Fédou et toujours cet avantage depuis la 63e minute et ce but très très bien tiré et récupéré. C'était très 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 dangereux. Ils se sont la défense sur l'Union Sénacès, ça fait deux fois. Sur le but, on a été pris. Et là, le marquage de la défense centrale, autant Outrebon que la MAF, était limite. Il a fallu une intervention limite. Et attention, il aurait pu avoir une faute sur cette action qui aurait pu coûter très cher. Attention. Attention, Lugenac, sur ces coups de pied arrêtés. Ces coups de pied arrêtés vont nous faire peur jusqu'à la fin de cette rencontre. Ils sont très bien tirés par Étienne. Il y a quand même de la hauteur avec Sceaux et Silla qui n'hésitent pas sur chaque coup de pied arrêté à venir inquiéter Christopher Coche. Regardez, on revoit le but de Ventribou, effectivement, de 30 Quelle mètres. Frappe une pleine lucarne lucarne absolument magnifique. Merci à Franck de nous repasser ce but qui est sensationnel. Vraiment, c'est quelque chose qu'on voit rarement avec une frappe soudaine. Là, voilà, on la revoit là. Et regardez, en pleine lucarne, la balle va se loger complètement dans la lucarne de Christopher Coste. Ah ouais. C'est vraiment ce soir le but de l'année. À Paul Fidou, c'est le plus joli but de l'année. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Allez, alors que la balle n'est pas sortie des 18 mètres et que Christopher Coste va faire cette remise. En général, quand Damien Guimard qui met en général des jolis buts. Ah oui, il met des Il met pas des petits buts en général. Alors que là, il y a un nouveau changement du côté avec la rentrée de la sortie de Zelmat du côté par Piche. Piche, ouais. Ah non, ce n'est pas Zelmat qui sort, c'est. Non, c'est Toto. Non c'est Toto qui sort, c'est le buteur. C'est Toto. C'est le buteur, le meneur de jeu, meneur de jeu de, c'est le buteur, de celui qui nous avait fait mal à la 11e minute sur ce but de la tête. Et c'est la rentrée certainement d'un nouvel attaquant, Piche. Non, il se positionne à milieu de terrain. Il est certain que les joueurs Wilfried Niflor sont dominés au milieu de terrain et j'ai l'impression qu'ils viennent apporter un surplus en ce milieu de terrain. Alors c'est le retour également de Zelmat que je n'avais pas vu sortir. Allez, Christopher va dégager Coste, et allez. On rentre dans le dernier quart d'heure, 76e minute ici à Fédou et toujours ce score de 2 buts à 1 pour les locaux qui se rapprochent donc du leader si on en venait à en rester sur un score de 2 buts à 1 avec une balle en profondeur, récupération. Ouais, oui, il y avait une faute et l'arbitre revient à la faute. Un coup franc très rapidement joué toujours par Étienne. Étienne qui va demander à ses défenseurs centraux de monter. Voilà, le danger va venir de là. Il va falloir être très attentif. On essaie de passer. Et c'est Hassan Karabouali qui s'impose de la tête. Récupération là-bas de Sceaux qui revient derrière et reprise de volée. Ah, dommage, il manque de taille, Silla. Oui, c'est effectivement Ndiaye qui manque de taille alors que récupération de Simon Lopez, mais faute indiscutable et récupération de balle avec coup franc très rapidement. Attention joué. Quand même, Alain, attention. J'ai l'impression que là Lugenac recule un petit peu.
et Santisteva viennent tirer, attention, coup franc très dangereux, encore une fois, long dégagement. Maintenant, on ne se préoccupe pas de la situation. Allez, il faudrait peut-être que le bloc de l'Ugenassien monte là, c'est là qu'il faut qu'il monte. Balle récupérée par la MAF et la MAF qui, avec sa science du placement, beaucoup d'expérience, a laissé venir son attaquant et a pu réussir à mettre le ballon en touche, en faisant toucher le ballon. Attention à Abou Chaïb avec un bon centre là-bas et tête. Oh là là, légalisation. Il vient de rentrer en plus. Légalisation, il vient on l'avait dit, attention. Il vient de rentrer. Et je me posais la question, il vient de rentrer. Christopher Zelmat vient de rentrer. C'est Fiche qui a marqué, non? Un joli coup de tête, quand même, magnifique coup de tête. Sur ces longs ballons, on pouvait prendre le but que comme ça. Je pense que. Je crois que c'est le numéro 3. Eh oui, c'est bien Zelmat. Ouais, c'est Zelmat, oui. C'est bien Zelmat qui a marqué cette égalisation. Zelmat, Erwan. 77e minute. Il est allé chercher ce ballon très très. Il met un joli coup de tête là-bas, côté droit. C'est un peu dommage parce qu'on le disait depuis 5 minutes. Eh oui. Alain, on a reculé, on ne joue plus. Et on a été de suite sanctionné. C'est dommage. 5 minutes dans le match. Et Christopher Coste n'avait pas eu grand-chose à faire. Il y avait eu il a pas touché un ballon encore. Attention. Il n'a pas fait un arrêt de la partie. Non. Alors, balle pour Simon Lopez. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. Il faut remettre la machine en route avec une longue touche pour Sestari. Sestari qui avec Ndiaye qui récupère le ballon. Que dit l'arbitre? Non, il n'y a pas faute, mais Ndiaye a encore le ballon. Contre encore. Et là, on se dégage par saut. Récupération pour. Lama fait petite balle pour Lopez et longue balle là de la défense avec une balle pour Ventribou. Attention de ne pas laisser partir dans le dos Afki qui était derrière l'excellent Julien Outrebon. Balle pour Karabouali pour le but est joli. Alain. Oui, il n'y a rien à dire. Une belle tête décroisée. Un très beau timing de la part de. Je suis un peu surpris. J'aurais aimé que Christopher Coste sorte. Et belle action là de Ventribou. Mais là, bonne couverture, indiscutable faute de Coderlier qui, emporté par sa fougue, fait une faute sur le défenseur Blagnacqué. Allez, on va rentrer. C'est dommage, très dangereux sur cette deuxième mi-temps et on prend sur la seule occasion de la deuxième mi-temps. Ils arrivent à scorer et à nous égaliser. C'est vraiment dommage. Allez, mais bon, ils sont vaillants, ils s'accrochent, ils ne lâchent rien. Long dégagement de Taider, mais faute de Joukla là-bas qui s'est appuyé du coude sur son adversaire. Et c'est un coup franc qui va être tiré encore par Étienne pour Zelmat. On a retrouvé de la sérénité du côté de Blagnac. Et regardez, attention, on se montre de plus en plus en difficulté du côté de l'arrière-garde lusenacienne. Voilà, on va laisser sortir le ballon et c'est Fiche qui remet en jeu, qui va essayer de trouver ses attaquants et le remplaçant. Bonne récupération de Lamaf. Non, encore. Et le ballon encore pour. Avec un grand pont réussi, mais bonne intervention de Julien Outrebon avec Lamaf. Lamaf. Fiche très percutant. Une bonne balle en profondeur pour Ndiaye. Voilà, il a bien et c'est bien. Mais on a perdu un ballon qui doit être dans l'usine des talcs dessous, tellement il a mis de la puissance le joueur de Blagnac. Fiche le 14 aussi fait une bonne rentrée. Très percutant. Oui. Allez, on revient derrière pour Lamaf. Lamaf qui trouve sur le côté Simon. Alors qu'il y a une faute sur Simon quand même, effectivement. Eh oui, il peut pas jouer. Il y a une obstruction du défenseur de Fiche, justement. Et c'est un coup franc qui peut être très intéressant depuis le bord de la touche. Il va être tiré par Coderlier qui va essayer de trouver dans l'axe ses défenseurs. On voit la montée d'Outrebon et de Lamaf. Coup franc intéressant, on s'est montré également dangereux sur les rares coups francs qu'on a eu à tirer, mais on peut faire quelque chose, un bon coup franc, mais pas très élevé, malheureusement mal élevé, alors qu'il y a une faute là aussi.
de l'attaquant sur Damien Jukla. Mais l'arbitre ne dit rien. Récupération de Simon Lopez pour Jukla. Jukla, attention, il faut lui parler. Attention. Notre caméraman Patrick Hanet a failli subir les foudres du ballon. La caméra a failli partir en vol. Lopez pour Ndiaye. Mais récupération, saut avec. On garde le ballon intelligemment. On a du mal à le prendre. Mais Simon s'impose devant nous et on le tire par le maillot. Et la première faute, là, il ne l'a pas raté. La deuxième faute, elle est de Simon. Mais sur la première action, il y avait effectivement une agression sur le petit arrière de poche de Luzenac. Et c'est le joueur de Blagnac, Sandy Steva, qui se relève difficilement. Il n'a pas pris un gros coup, certainement. Non. Allez, coup franc tiré par Lamaf. Non, on préfère revenir pour Outrebon Karabouali. On préfère construire plutôt que d'envoyer des longues balles. Non, il faut jouer sur les côtés. Allez, si on veut construire, il faut écarter le ballon. Exactement. Alors que regardez la vitesse, et il faut que Karabouali soit aidé par Outrebon pour récupérer ce ballon. Et c'est une touche qui est concédée par le milieu de terrain de Blagnac. Alors que immédiatement Karabouali va essayer de trouver ses attaquants, c'est fait à la personne de Fargue, une Coderly encore, allez, dans l'espace pour Simon, et elle est bonne cette balle, elle est très très bonne avec Simon malheureusement n'a pas voulu centrer en première intention. Il a vu, il n'y avait pas trop de monde, mais il faut le faire quand même en première intention, il faut le faire ce centre, c'est le jeu qui le demande. Et bien sûr. Et bien sûr, parce que c'est balle perdue de toute manière. Ensuite, c'est Stari. Il faut écarter. Et on n'écarte plus, alors que Damien. C'est Damien. Vigneault. C'était Vigneault, oui. Alors que Damien, là-bas, et regardez, on n'hésite pas à venir se projeter. C'est toujours ce numéro 8. Numéro 7. Aoud Benchaïd. Qui nous inquiète depuis le début du match. Allez, récupération de Jukla qui s'est bien battu pour Karabouali. Karabouali calme le jeu et trouve. Allez, on essaie de relancer propre. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'affoler. Le match avec une bonne action de Sestari. Mais Sestari, non, c'est lui qui a mis le ballon en touche de la poitrine. Et la balle va être récupérée par Zelmat. Qui va pouvoir remettre en jeu. Il ne reste plus que 5 petites minutes à jouer. On se sera quand même, David, régalé ce soir à Paul Fédu. On aura vu un très très bon match, deux très bonnes équipes. Il reste encore 5 minutes, Alain. J'espère vraiment que Luzenac va s'imposer. On va faire la différence. Allez, attention à ce 14 piche. Qui lui aussi prend pour Ventribou et qui est contré. Allez, Jukla. Jukla qui donne sur le côté là-bas au numéro 7. Bonne action de Vigneault. Oh. Et attention, récupération de Sestari pour derrière. Pour Coderlier qui n'a pas osé frapper mais c'était dur. Il pouvait frapper du gauche, il a voulu se mettre sur le pied droit. Il n'avait pas le temps. Remise en jeu par. Mais c'était bien. C'était une belle action menée. Avec encore un beau numéro de Vigneault là-bas à côté droit. Qui est excellent. Qui fait son match aussi. Allez, un très très bon match. On repart par Karabouali, le capitaine, qui montre l'exemple sur le côté droit de l'attaque que Luzenacienne. Un petit centre avec à la tombée, avec un tir. Eh bien, on aura tenté ce soir reprise du gauche, côté de Luzenac. Tout à l'heure, c'est allé dans la lucarne. Là, Vigneault. C'est passé au-dessus de la haie derrière la cage de Tyler. Et donc. Dégagement pour le portier de cette équipe de Blagnac. Et que le temps passe, David, et qu'on rentre dans les trois dernières minutes du temps réglementaire, alors que l'AMAF s'impose et obtient le. Non, il n'obtient pas la touche. Il me semblait que c'était lui qui avait récupéré le ballon de la tête, mais et qu'il avait été contré. L'arbitre de touche a estimé que non, que c'était lui qui avait directement envoyé le ballon en touche avec une récupération de Coderlier. Bien joué, Coderlier. Sestari. Oh là là, heureusement. Bien défendu. On aura tout vu ce soir, on aura vu vraiment un très très bon match
qui fait honneur à ce championnat de division oui, d'honneur. Oui, bien sûr, Alain, bien sûr, je crois que là, c'est le haut de tableau. Hein. Le haut de gamme, mais c'est du très très haut niveau. On n'est pas loin du CFA quand même. On a vu des matchs en CFA bien moins bons lorsque le LAP œuvrait dans cette... C'est fait. Ah, dommage, la balle ne passe pas. Allez, il donne un peu trop fort. Coderlier, la fatigue se fait ressentir, les passes sont moins précises. C'est plus dur, il est encore là. Hein, c'est la 88e minute et Coderlier est encore là à la récupération. La balle pour... Lusenaciens avec l'AMAF pour. Attention, belle action pour. Balle pour là, Damien. Damien qui n'avait pas vu son adversaire alors que. Faute. Allez, un coup franc et puis. C'est dommage que Van Tribou ne soit pas là. Je vais me rapprocher du terrain pour aller voir les entraîneurs et faire quelques. Interviews, on va finir ce match quand même ensemble, mon petit David. Et c'est ce coup franc qui va être tiré par Julien Outrebon qui va essayer de donner la victoire au Lusenac Ariège-Pyrénées. Allez, on regarde ce coup franc. Tire et non. Non, c'est dommage. Alors, sur le gardien, bon, pas très dangereux. C'est dommage. Ça pouvait. Ah là là, je crois qu'on peut avoir des regrets. Hein. On peut avoir des regrets sur cette rencontre car à 10, on aurait pu espérer un peu mieux. Et voilà, c'est ce match. Allez, peut-être. C'est pas fini, il reste encore 2 minutes avec un bon centre de Damien Joukla. On est très attentif. Il a fait une bonne rentrée aussi côté droit. Très attentif du côté de. Oui, très bonne rentrée. Aïe, aïe, aïe. Oh, le contrôle, la MAF, mais il se ressaisit très bien. Il a bien repris. Une balle pour Lopez. Oh là là. Là. Avec une petite. L'arbitre dit qu'il a joué le ballon. Un tac un peu physique. Un match un peu physique, mais bon. Mais voilà, donc. Par là, jusqu'à que j'arrive en bas. Tu commentes le match jusqu'à que j'arrive en bas. Alors voilà. 6 mètres pour Blagnac, donc c'est vrai que c'est vraiment. Et là, on est rentré dans les arrêts de jeu. Hein. On va rentrer les arrêts de jeu bientôt là, c'est dommage parce qu'il y avait, je crois, il y avait mieux à faire hein, ce soir. Mais on a assisté quand même à un bon match de football. Alors que le ballon se dispute à milieu de terrain, oui, il y a une petite faute, mais l'arbitre laisse jouer. D'ailleurs qui a été très 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 bon. Très très bon l'arbitre ce soir. Allez. Vigneault. Damien Joukla, côté droit, Coderlier, il faut lui parler, on écarte le ballon sur Simon Lopez, avec un hors-jeu de position, bon apparemment je ne l'ai pas vu mais l'arbitre doit être bien placé, c'est dommage, c'est vraiment dommage car ce match était à notre portée, mais quand même félicitons cette équipe de Blagnac, elle est très très solide, très très joueuse, hein, vraiment avec un gros potentiel offensif. De belles individualités. Vraiment bravo à cette équipe de Bagnac aussi qui à 10 a fait une belle deuxième mi-temps, qui s'est accroché, qui a rien lâché. Et bravo aussi à Lusenac parce que vraiment mérité mieux que le match de ce soir. Allez, touche pour Simon Lopez. Julien Autrebon. Allez. Dernière offensive, je pense. La MAF qui va fixer et donner. Simon Lopez va mettre un peu de vitesse. Simon Lopez, longue touche Simon au second poteau.
Ouais, le but, oh là là, et but, le but, oh là là, le but pour Lugenac qui est marqué à la dernière seconde, le meilleur joueur de Lugenac, le pont dernier, de la part dernier qui vient de donner certainement la victoire. Oh, Lugenac a rien de tiré derrière là, cette reprise du droit qui part directement dans le petit filet du gardien. Oh là là, quel but exceptionnel. Tyder ne peut rien faire, sur cette frappe. Il ne peut rien faire. Cordonnier, cette reprise de demi-volée. De volée, pardon. Mais vraiment, quel but. Nous avons vu deux buts de grande classe ce soir. Il reste 4 minutes, 4 minutes d'arrêt de jeu. 4 minutes d'arrêt de jeu. Exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel, David, exceptionnel cette fin de match et ce match qui aura tenu toutes ses promesses avec deux équipes de grand talent mérité, ici mérité, sur cette pelouse de Paul Feydeau. Ah, quel but! On a vu deux buts de grande classe ce soir, mais c'est pas terminé. Attention, quand même, il reste à quand même 3 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, il faut vraiment pas. Attention, Simon, il faut bien se gâcher ce ballon. Attention, pas de faute, voilà. Attention, voilà, il faut vraiment sortir ce ballon. Attention. Allez, on va faire partir loin devant. Alors que et on va monter du côté de Tyler. Défendu sur sa dernière offensive. Dégagement du gardien. Alors maintenant, messieurs, Blagnac ne joue plus. Il joue long, hein. Il joue long. Attention quand même, il faut rester vigilant. Attention, attention. Oh là 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 là, Costa. Oh, l'arrêt de Costa. Oh là là, quel arrêt. Oh, l'arrêt de Costa. Quelle occasion de la part de Blagnac. Quelle occasion de la part de Blagnac. Quelle occasion de la part de Blagnac. C'est le premier comment arrêt. Il fait pour louper. Il est là, hein. C'est le premier arrêt de Costa. Comment il fait pour la louper, le mec. Il contrôle, hein. Comment il fait pour la louper, le mec. Deux minutes, hein. Même pas, non. Deux minutes, il est à peu près. Une minute, hein. Une minute, hein. Et comme. Trois minutes. Hein. Allez, on va il dégager. Il avait dit 4 minutes, hein, il avait dit. 4. C'est fini. Allez, l'action qu'il a, le mec, hein. Ah, l'action magnifique. Et toujours Coderlier au milieu de terrain qui fait un grand match. Joukla, il ne faut pas se gêner. Et c'est terminé. Et c'est terminé, David. C'est terminé avec la victoire de Lugenac Ariège Pyrénées. Alors, ça va être une soirée extraordinaire pour les dirigeants, pour les joueurs, pour les spectateurs du Lugenac. Les joueurs de Blagnac, bien sûr, sont c'est très déçus. Je vais essayer de demander à Wilfried Niflor ce qu'il pense de cette rencontre. Une rencontre de haut niveau. On a assisté à un très très beau match ici à Lugenac. Ils ne peuvent être déçus, mais ils ont fait honneur à leur maillot, les joueurs de Blagnac. Wilfried, difficile fin de match, alors que vous avez fait le plus dur en revenant. Et ce but à l'ultime seconde, pratiquement, vous a laissé sur le carreau. Oui, ils mettent deux superbes buts ce soir. Oui. Voilà, donc après. Disons que ce soir, il y a eu deux très belles équipes, un très bon match. Et, donc c'est, disons, je ne vais pas dire que c'est logique, non, parce qu'on a très très bien joué, on a joué toute une mi-temps à 10. Le joueur a été valeureux et courageux, donc je félicite surtout mes joueurs. Merci. Et on va essayer de voir ce que pense Sébastien. Sébastien qui doit être heureux, car vraiment ces joueurs, Seb. Heureux, vraiment un gros match de vos troupes, avec beaucoup de courage. Ce but casquette en première mi-temps, vous avez déstabilisé, vous avez su revenir et vraiment faire une deuxième mi-temps de grande qualité. Il a fallu qu'on prenne ce premier but pour qu'on se réveille enfin, qu'on mette notre jeu en place. Je pense que c'était peut-être bien consciemment trop de pression. Bravo les gars. Et ce but nous a libérés. Je pense qu'on fait une fin de première mi-temps vraiment de qualité. Seconde mi-temps, je pense qu'on est récompensé de nos efforts. On prend ce deuxième but qui...
qu'on ne doit pas prendre, mais je sais pas pourquoi. Je sentais que ce soir on avait du cœur. Bravo les gars. Et je pense que sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité. Après, on a vu deux belles équipes, le championnat est long, mais je pense qu'on mérite ce soir de... On a rendu honneur à notre public, et ça, c'est ce qu'on voulait. Et je pense que sincèrement, on mérite ce soir la victoire. Effectivement, mais je crois que les deux équipes ont fait honneur à ce championnat de division d'honneur qui est d'une très très grande qualité. Exactement. Félicitations et bonne continuation. On va essayer d'avoir un joueur, peut-être... Julien, félicitations, un gros match, deux très très belles équipes. Comment vous avez ressenti le match sur le terrain? Ouais, je savais qu'on jouait le leader, tout le monde en parle bien, et c'est vrai que c'est une belle équipe. Derrière, nous voulions vraiment recoller parce qu'on a un match en retard, et on a fait un gros match avec 20 minutes en première mi-temps un peu compliqué où on encaisse, après on prend le dessus et je pense qu'on mérite vraiment cette victoire parce qu'on a été là chercher, on a eu des occasions. Et voilà, c'est un beau duel qui s'est passé aujourd'hui. Les 15 premières minutes difficiles, et ensuite vous avez mis vraiment beaucoup d'impact avec 3 buts de très très bonne qualité. Ouais, on savait qu'il fallait qu'on gagne les duels au cœur du jeu. C'est ce qu'on a réussi à faire, on leur a mis la pression, ils n'ont pas réussi à ressortir. On a été vigilants à leur vitesse aussi parce que ça allait très très vite devant. Et non, vraiment une belle victoire, c'est mérité vraiment, et on félicite aussi Blagnac parce que vraiment c'est costaud. C'est une très très belle équipe, et puis pour la première fois de la saison, vous avez réussi à leur mettre 3 buts. S'ils n'avaient jamais pris plus d'un but, c'est formidable, 3 buts ici, dans un match de grande qualité. Ouais, c'est, on a un peu les mêmes stats, eux et nous, et ben c'est bien, on prouve qu'on a de la qualité devant, qu'on est capable de marquer à tout moment, donc c'est bien, c'est de bonne augure pour la suite. Bravo, et bonne continuation, et bon championnat. Allez, on va voir Christophe Rodriguez qui doit être ce soir un président heureux. Christophe, on a vu un super, super match niveau CFA. Je pense que effectivement Alain est un connaisseur. Je pense qu'avec David, vous avez bien analysé le match parce que je vous ai écouté de temps en temps. Je pense qu'on a vu un match niveau CFA où la détermination d'une équipe, celle de Luzonac, a fait la différence. On était mal rentré dans le match, trop de pression je pense. C'est sûr. Et ce but nous a réveillés. On a été piqué au vif et on a réagi et je suis fier de mes troupes. Et surtout un but extraordinaire. On l'a revu avec Franck de Ventribou sur cette frappe d'une trentaine de mètres absolument magnifique dans la lucarne. C'est un peu la cerise sur le gâteau dans un match d'une telle intensité, voir un but comme ça. On voudrait que ça recommence et on espère que tous les dimanches ou tous les samedis soirs ça arrive. C'est un peu, oui effectivement, un but de grande classe, d'un grand joueur aussi, hein, parce que je pense que Ventribou est un très bon joueur, mais à l'image de l'équipe, il arrive à se fondre dans un moule et sans compter du troisième but qui est la délivrance, Coderlier, une reprise à demi-volée. Voilà, on fait deux erreurs défensives sur nos deux buts, mais on a su contrecarrer cet handicap et pour nous permettre d'avoir un avenir un peu plus serein sur cette fin d'année 2016. Allez, bonne fin d'année, merci. Bonne fête. Ce soir, on va le fêter quand même, victoire. Ce soir, on va le fêter, soirée partenaire avec tous nos abonnés. On va passer une grande soirée. Et on a mis les petits plats dans les grands et les joueurs nous ont montré la voie. C'est à vrai. Nous d'être bons pour la suite. Et le championnat est relancé. Allez, merci Christophe. Merci. Voilà, cette soirée au stade Paul Feydeau. On avait choisi deux rencontres cette semaine. La première, hier soir, était de bonne qualité dans un match de division inférieure, de promotion d'honneur et de division d'honneur ce soir. Donc on a vu deux matchs de très très bonne qualité. Celui-là, nous ne l'avons pas vu passer avec mon ami David Gomez. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous remercions nos deux caméramens qui, dans le froid de Feydeau, sur leur échafaudage, ont subi les affres de cette soirée. Ils vous souhaitent, ainsi que Franck et David avec moi, une bonne fin de soirée. Elle va être certainement chaude ici, du côté de Paul Feydeau. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous
l'année prochaine. L'année prochaine. On va se reposer. On va se reposer pendant une quinzaine de jours et on reprendra le 8 janvier certainement à Tarascon pour le match vedette de ce championnat de division d'honneur qui opposera le Saint-Girons Sporting Club, deuxième de leur poule de division d'honneur aussi, et l'US Tarascon. Bonne soirée à tous et bonne fête. Allez, merci Alain. Juste avant la lancée de la pub, donc merci, remercie nos partenaires aujourd'hui, remercie le club du Zenac qui nous a superbement bien reçus. Et ça fait toujours chaud au cœur pour tout le travail que l'on est en train de faire avec toute l'équipe que tu viens de citer. Merci à vous tous. Et puis encore une fois, merci aux partenaires qui ont compris ce qu'on faisait, qui nous ont accompagnés pour le match hier soir et pour le match de ce soir. Merci à Franck, à la régie, et on peut envoyer la pub. Merci beaucoup, bonne fête à vous tous. Et nous non. Recherchez une entreprise qualifiée, disponible pour votre déménagement? Vous recherchez un garde-meuble fiable et sécurisé? Vous souhaitez être pris en charge pour tous vos transports par un personnel expérimenté? Faites appel à l'entreprise Lieur. Située à Tarascon, à Pamiers, à Castres et à Savignac, cette entreprise familiale créée en 1955 vous propose ses services. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, les déménagements Lieur répondent à tous vos besoins.